Quoi ? Peur, allez. C'est Zera qui crie crac crouc. 1, 2, 3, cricou, crac ou croc. D'accord. Crac, crac, crac. Tu m'as compris. 1, 2, 3, crac, croc. C'est qui invite ? Je vous... Putain, mais écoute ! C'est Zerator, putain ! Bah, c'est ambiance Golf Gang, quoi. Ah là, merci. J'ai invité Snamètre. Oh. Antoine qui commence déjà à crier alors qu'il va devoir donner 20. Oh, mais moi, désolé, je donne, je suis un giver, moi. Ma commu, elle aime bien quand je fais du bruit. Ils aiment bien quand j'agite les clés. Ouais. Exactement. J'ajoute. Il n'y a pas de nouvelle map. C'est scandaleux. Et le jeu Dead Game ? C'est un Dead Game. What the fuck, Dead Game ? Complètement un Dead Game. Oh, je dois refaire ma boule. Il doit refaire sa boule. Attention, vous devez refaire vos boules. J'ai déjà refait ma boule. Attends, mais j'ai rien. Du coup, je suce pendant que tu fais ta boule. Attends, mais j'ai rien. Ma boule, elle est là. Pourquoi j'ai rien ? Pourquoi Antoine il suce ? Et pourquoi je le ferai pas ? Bah parce qu'on va jouer là. Oh my bad, Orsi, pardon. Fais ça dans ton coin. What the fuck ? Alors, t'as des codes, Windows ? Dans un parking. Code ? Ouais, j'ai des codes, moi. Des codes de quoi ? Code. La bombe des codes. 29-10. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme code ? J'ai des codes, là, attends. C'est pas les codes qui m'a dit mes codes. Il faut refaire la boule ? D'accord. On m'a dit que tu aimais le rap. Voilà, tu es la boulette. Ouais. Mais y'a pas de code. Voilà, de la boulette, pardon. 31-14, le code. J'achète. Sortez les briquets, il fait vraiment très très sombre à l'intérieur. Ah, j'ai des codes pour Headbanger. Ah, mais j'ai pas des codes pour. Headbanger, on l'a tous. T'as essayé Headbanger, Orti ? Quoi ? Le label de Daft Punk ? Oh, ça n'a jamais été le label de Daft Punk, c'est le label de Pedro Winter qui était manager de Daft Punk. Ils n'ont jamais été sur leur label, mais bref. Oh, il est insupportable. C'est vrai, je sais, j'ai fait un laser disc dessus. Voilà, et comment tu peux oser te tromper là-dessus ? Non, le jeu. Actualité de légende. Le Battle Royale Headbanger, le jeu de rythme Battle Royale. Comment tu les mets en place non, avec des pigeons. Alors, ça a l'air vraiment cool, ouais. Alors, en fait, les Daft Punk. Moi, je comprends pas ce qu'on fait là. On attend que les gens fassent leur boule. On joue à The Coin, il me semble. Antoine, t'as acheté un haut de forme ? Je l'avais déjà. Par contre, tu mets pas tes trucs random, Zerator. Non, mais au début, on joue normal, on se remet dans le bain. Y'a pas de random dans le jeu. Au calme, le gagnant prend 20 subs de chaque personne. Je comprends. Go, calme. Ah ouais. Ah ouais, non. Putain, là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est le moment de lancer Fortnite, les gens, là. Oh là là, let's go ! Fortnite. Moi, j'ai lancé une fois Fortnite. Ils m'ont envoyé une... J'ai jamais lancé Fortnite de ma vie. T'as jamais joué à Fortnite, mec ? Jamais. Ah ouais ? Mais non. Moi, j'ai vu qu'on m'avait proposé... On m'avait proposé... En fait, c'est le retour aux sources, là, de Fortnite, là. On m'avait proposé une OP sur Fortnite à l'époque où c'était un jeu que PVE et j'avais oui. Je me disais, oh, c'est de la merde, ça marchera jamais. Ah, le flair, toi t'aurais jamais signé les Beatles, le label, toi. En même temps, t'as raison, le mode PVE a pas vraiment marché. Allô ? C'est vrai. Oui ? Oui ? Depuis tout à l'heure, je parle et je ne suis pas mute, mais vous m'avez... On t'écoute juste pas, dis-moi, Florence. Ah d'accord, ok, my bad. Que se passe-t-il ? Bah dis-le. Non, je disais juste, il n'y a pas un retour de la hype sur Fortnite premier degré ? Mais si, bien sûr que si. Parce qu'ils viennent de sortir... Ils viennent de ressortir la saison 1 comme le jeu était à la base. Oui, c'est comme WoW Classic, voilà. C'est comme WoW Classic, là. Du coup, t'as tous les jeunes de 16 ans qui font « Ah, tu me souviens quand j'avais 12 ans ?» Et voilà, c'est... Tu te souviens, c'était là. Mais alors, quand t'avais 16 ans, tu faisais pas ça, connard ? Moi, je faisais ça avec Minecraft. Pourquoi tu juges ? Quand qu'on game ? Quand t'avais 16 ans, t'étais pas comme ça, toi ? Minecraft. La redstone, ça servait qu'à ouvrir des portes à mon époque. Tout à l'heure, j'ai maté Kameto qui était sur Fortnite. Il faisait des duo queue au random. À un moment, il s'est retrouvé avec un gamin de 11 ans, je crois, un truc comme ça, en vocal. Et c'était légendaire. Ah bah oui. Légendaire. C'est très, 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 très drôle. C'est ça, très, très marrant. Mon rêve. Ton rêve ? Pas d'être en vocal avec un gamin de 11 ans, mais de faire des duo queue random sur Fortnite. Non, bah après. C'est mon rêve. Pourquoi on joue pas ? Chacun nos rêves. Hein. Attendez, je suis en train de voir s'il y a des cartes. Cartes. Yu-Gi-Oh ! Oh oui. Je remets la cam très bientôt. Yu-Gi ! Oh, vous savez que mes viewers, ils sont allés contacter le gars qui fait la voix off du grand-père de Yu-Gi. Oh. Wow. Et il a répondu, et du coup, j'ai un vocal du grand-père de Yu-Gi qui me dit « Orti, quoi ?» Orti, arrête d'envoyer tes viewers me casser les couilles. Moi, j'ai rien dit. Je suis vieux, Orti. Oui, voilà, c'était Papy Grenier, là. C'était plus. T'aurais dû lui demander de faire une alerte sub. Bah du coup ça fait un peu alerte au sub, mais en même temps il je sais pas avec quoi il a pris le son, du coup ça sature de fou. Qu'est-ce qu'il y a, Lilou ? Oh Lilou ! Oh là là ! On peut game ou pas là ? Deux secondes, ouais. Je télécharge des cartes. Oh, oh, je joue, non mais la première game on l'a fait sur un truc vanilla, Zera.
J'ai toujours la map The Event. Tu m'entends? Oh, la map The Event. T'es horrible. Méga cœur. Il m'a envoyé un message récemment. Il m'a dit ouais, je suis dégoûté. J'ai jamais réussi à optimiser la map. Bah, après, c'est le jeu est mal fait, voilà. Le pauvre. Mais ta map était exceptionnelle, vraiment. C'était trop triste. Oh. Si elle était bien faite, on en aurait peut-être refait un autre, en vrai. Mais hélas, vu qu'on a... Voilà, on s'est dit, ouais, The Event. Depuis que sa map est sortie, il n'y a plus de The Event. Hein. C'est mon truc. Oui, depuis que la map est sortie, il n'y a pas eu de The Event, hein, je suis à le dire. Coïncidence. Vous pouvez vous mettre prêt, et puis ça démarre. Hein. Go. Comment on se met prêt? Comment on met prêt? Avant, c'était ça, non? Je peux pas me mettre prêt. Il n'y a plus, là. Maintenant, il n'y a que Exit. Maintenant vous pouvez juste quitter le jeu. Il faut que je sélectionne une carte. Maintenant vous pouvez juste quitter le jeu. Voilà. On va jouer sur la banlieue là. C'est pour ça que le jeu marche. Tu peux pas y jouer, voilà. Tu peux juste quitter le jeu. Il faut juste quitter. Banlieue. J'ai changé la catégorie de stream ou pas? Non. Ah oui, attendez. Ah oui, oui, attendez. Pareil. Si? Non. Je veux Golang. Sur ça YouTube vous êtes quand même mieux, il n'y a pas de catégorie. Golang, c'est moi effectivement. Une catégorie sur YouTube. Ah merde. Si, mais c'est... Ouais, mais la catégorie elle est choisie instantanée, enfin elle est choisie automatiquement par YouTube. Ah bon? Non. Oui, si si. Attends, si, tu si, parles si. En stream ou dans les vidéos? La vidéo. Il parle des vidéos. Les vidéos quand tu uploads les VOD, tu peux choisir le jeu en question. Antoine, je te jure, est-ce que tu veux pas un jour juste lancer sur la chaîne ta chaîne principale? En vrai, tu sais que j'y ai pensé, genre en plus, genre tu sais vraiment un live après 8 ans d'absence. Un live pas du tout, tu sais genre un live que je du The Event pour ça, je pense. Oui, mais tu sais le genre je fais genre mon live qui les lives qui marchent le moins sur ma chaîne, c'est les lives que je fais sur Zelda et j'hésite à lancer un live sur Zelda mais sur cette chaîne là, tu vois. Genre vraiment même pas un gros truc, tu vois. Tu fais comme si c'était pas en live, comme si t'avais oublié de couper, tu vois. C'est genre très, t'es là très dans ton drôle. Ordi et tu tapes des trucs et... Au bijou FF14, je n'en comprends pas. Ah oui, oh, encore moins de viewers, là, on est là. Non, mon vrai rêve, c'est que là, maintenant, boucle, là. Après je sais pas combien, que tu fasses un 29. Ça va, tu fais, bon, voilà, j'ai pas donné trop de nouvelles. Putain, mec, oh, vas-y, je le fais. Pendant tout ce temps, je joue à Zelda. Mec, go, je le fais. Ah, je suis trop chaud. En vrai, ce serait drôle. Mais tu sais, je fais. Ouais, je sais, j'ai oublié de. J'ai zappé de donner des nouvelles là depuis un peu de temps. Voilà, il n'y a pas. Là, il y a. Le prochain épisode. Ah non, je dis pas ça. Là, c'est mort. J'ai que ça bosse. Même la moindre blague là-dessus, les gens peuvent partir au quart de tour. Le 29 février. Ah, c'est vrai que février prochain, il y a 29 jours. Ah bah voilà. Voilà. C'est parce que c'est les années bissextiles. Et ben voilà. Ben voilà. C'est que maintenant, ce sera que les 29 février. Ah oui, j'avais perdu le mot de passe de la chaîne. My bad, les gens. Putain, j'ai zappé. Je l'ai retrouvé, c'est ouf. J'ai zappé. Bah écoutez, voilà. Bon, bah Zerator, on lance ou quoi, là? Ou on s'emmerde? Plus que un mois et combien de jours? Et la carte sera DL. Hey, plus que un mois et 25 jours avant qu'Antoine réactive Twitter. Yes. Putain, let's go. Ah, putain, c'est vrai que je dois faire ça. Let's go. Hey, je suis sur Blue Sky, les gens, suivez-moi sur Blue Sky. C'est énorme, c'est le réseau social du futur. Oh, t'as des codes, du coup? J'ai peut-être un code bientôt, Orti, si tu veux. Moi, je veux bien un code, si vous en avez aussi. Ok, Fred, je te le donnerai aussi. Je sais plus comment on joue. J'ai quand même oublié quoi. Mais c'était j'ai quoi tous les tutos pour et moi, je vous ai proposé un code dans la conversation, vous m'avez pas rep. Hein. Ah bon, j'ai pas vu. On t'a dit qu'on t'écoutait pas. Oui, c'est pour arrête. Moi, j'ai vraiment juste pas vu. Oh non. Oh merde, la cam! Putain, j'ai oublié de remettre la cam! Oh, je suis dernier! Ah non, je suis en dernier. Le jeu m'a vraiment oublié. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est comme ça. Mais du coup, moi j'ai pas refait ma boule. Ouais, la boule vanille. Attends, faut que je fonde vers Riville. Comment ça, pas le bon compte? Mais j'ai qu'un compte. Nous n'avons qu'un seul compte. À Sablé sur Sarthe. Je vais faire la touche F. Ah, merci. Comme disait FF. C'est quoi Blue Sky? Blue Sky, C'est Twitter de 2011. Twitter pour les vieux. C'est Twitter vraiment pour les vieux. C'est vraiment, t'as les gens les vieux, du coup, bah y'a personne. T'as les gens c'est de. C'est fait par le mec de Twitter en plus, non? Oui, oui, oui. Ouais. C'est les mecs de Twitter de 2011, ils font des Follow Friday. C'est pas une blague, hein, vraiment. Ouais, c'est et vrai. Tu peux pas uploader des vidéos. Il y a des jeudis confession ah, aussi rendus. Oui, il y a ça. Jeudi confession. C'est pas une blague. Tu peux uploader des vidéos, tu peux uploader que des images. Y'a pas de MP. On met en TL ou pas? Non, y'a pas de. Enfin, en TL, comment ça en TL? Pas les pour vous? En tweet limited. Mais il y a même pas de tendance, je crois. Ça n'existe pas, non? Mais non, il y a pas de tendance, non. Non, il y a pas les tendances sur Blue Sky. Non, il y a pas les tendances, non. OK. Moi j'ai un compte chez moi, c'est ouf. Moi aussi, c'est vraiment incroyable, hein. Je donne mon avis sur des trucs, c'est super. Moi je mets des photos de Lilo. Moi aussi, c'est super. Ma cam est pas bien mise. Comment ça, ma cam est pas bien mise? Non, jamais tout, ma cam. Déjà, il a une cam, donc vous allez arrêter de vous plaindre. C'est déjà pas mal. Déjà, il ouais, a l'autre jour. Non, ouais. C'est juste qu'on a fait une OP ensemble l'autre jour et il avait pas de cam tout du long. Ah, ouais. Bah, j'ai BSOD et ma cam a cramé. Enfin, la batterie de ma cam a cramé. Comment ça crame? Bah, ça a pris feu, quoi, littéralement.
Ça existe pas, ça. Macam a cramé. Ah, la batterie marche. C'est comme j'ai pas fait mon devoir, mon chien l'a mangé, quoi. C'est le même truc. Oh. Ils ont sorti cette excuse un jour. Le chien. L'excuse du chien qui a mangé. Mais c'est bien sûr que si, c'est sûr. C'est mon chien. Évidemment que oui. Des fois c'était vrai même. C'est mon chien l'a mangé. Non merde, non. Non, non. Non, mon chien il a bouffé un livre, donc je pense que c'est possible. Il y a des chiens qui ont bougé. Ah, mais c'est sûr. C'était genre le Silmarion. Non, c'était le dernier de Zemmour, mais c'est bon. C'est très gros chien. Ah, quoi? C'est un berger des Pyrénées. Hein hein? Zemmour l'économiste, bien sûr. Ah oui, oui, l'autre, Zemmour le coiffeur. Ah oui, le... Désolé, non, j'allais dire le devoir, coiffeur et je me suis dit que personne allait avoir le, la rêve. Mon oncle. Tu oublies que je suis extrêmement cultivé, Hortense, mais bon, ok. C'est vrai qu'il a beaucoup de culture. Ouais, je suis très culturé. Merde. De quoi, t'as dit quoi, Florence? Non, ah, chiette! J'ai bouquin et j'ai dit que c'était un roman policier. J'entends ça. Moi j'ai trop hâte du film de cul avec Zemmour là après celui de Houellebecq là. Oh non, il m'a poussé! Il arrive, hein, il est en prod là. Trop trop hâte là. Ah! Quoi, moi t'es mis, il mord à peu près tout, voilà. Mais c'est un bébé, c'est normal! Il grandit oui, pas! Oui. Ah si, il grandit, hein! Ah si, si! Il est énorme. Il est deux fois plus grand qu'Oliver, je pense. Oui, oui, oui. When stop mashing. Quoi? Mais quand c'est qu'il stop mashing, on se dernier. Te posera, ça va? Zerator est nul. Mais le jeu m'a... Ouais, le jeu m'a montré le tuto et tout. J'ai calé. Peut-être que j'y vois un signe. Oh, j'ai fait le pire coup de ma vie. Oui, j'avoue, Orphiste. C'est vrai que vous avez... C'est vrai, vous aviez tryhard en plus, ça. Ah oui, oui. Les sales nuits, là, les sales nocturnes que vous faisiez avec Étoile, là. Ouais, il y a eu des sales nuits, il y a eu des sales nuits, mais c'était il y a longtemps. Ouais, ouais, on fait tous des erreurs. Fuck. Non, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Non. Il parlait du fait de stream avec Étoile. Ah oui, bien sûr. Non, mais quand Étoile a commencé à chercher tous les world records sur deux niveaux, j'ai arrêté. Mais voilà, bah oui, bah voilà, merde. Insupportable. Bah c'est Étoile, hein. Insup. Étoile des mers. Super, gagné. Je ferai après la prédire. Merci à ses amis ce soir, voilà. Le Brésil. Hein, pourquoi il veut dire quoi en plus, tu l'as dit? Mais non, mais en plus, dans la team dans laquelle on est dans le jeu, là, il y a qu'un seul. Y en a... Non, il y a deux Brésiliens, j'ai de la merde, pardon. Ah. C'est quoi votre couleur? Il y a celui qui vient de la soirée. J'ai vu Pierre dire qu'apparemment, c'était vachement plus hardcore et c'était moins imposant. Oui, oui, oui. C'est quoi le truc purgatory du coup? Bah, en fait, c'est un truc. On est divisé en trois équipes. Et le but, c'est de récupérer des points en rapportant des ressources et en tuant les autres, globalement. Et c'est le beat, il est dans quelle team? C'est le beat. Il est... Dans la team Antoine, il y a le monsieur qui crie. J'ai regardé la première soirée avec SMP de ma vie. Ah, bah, ah non, il est rouge, c'est le beat. Lequel? Ah bah, je suis team rouge. Le Brésilien qui crie. Mais Forever, il crie plus tant que ça. Il crie plus tant que ça. Mais ceci dit, j'ai reconnu que tu parlais de lui. Oui. Ah bon? Bah, trop bien. C'est la première fois que je regardais SMP une soirée, et voilà. Il y avait le Brésilien qui crie, quoi. C'est pas qu'il crie. C'est vrai qu'il crie. Non, c'est pas qu'il crie, c'est que son micro est horrible. Non, mais bah, son micro est horrible et il crie. Mais encore, ça s'est amélioré. Au début, c'était chaud. Ça s'est amélioré. Hop. Mais c'est drôle parce qu'en stream, son micro, il est normal. Oui, oui, en fait, je crois qu'il utilise pas... Oh non. Je crois qu'il utilise pas le même micro. Mais c'est du shitpost, quoi. Il fait Non, non, je pense pas qu'il fasse exprès pour autant. Mais voilà. Il fait du Twitch poop. Du Twitch poop? Ah, ça n'existe pas, le Twitch poop, si. J'ai ma chaîne. Bah non, comment il s'appelle Sushi Dragon? Ah oui, un peu, c'est vrai. Qui ça? C'est ma chaîne. Ça serait un peu du Sushi Dragon, Sushi Dragon, c'est un peu du Twitch. Premier, je suis deuxième, il s'est passé quoi? Ah, c'est du Twitch Poop? Non. C'est le concept de ma chaîne, le Twitch Poop. C'est le jeu à tous les pires jeux. Mais non, mais c'est pas une insulte. Non, mais c'est pas une. Mais non, mais non, mais non, comme du YouTube Poop, Horty. Ah ouais? Mais non, parce que pour moi, le principe du shitpost, c'est que justement, tu mets pas de temps dedans. Oh, bah pour moi, non, typiquement, Bonne Nuit les Tipeux de Renard, c'est un YouTube Poop, il y a eu énormément de travail derrière. Mais en général, il y a pardon. Mais Bonne YouTube Poop, il y a toujours énormément de travail derrière. C'est une chier de montage. C'est trop dur à faire. Je ne dis pas l'inverse. Non, les YouTube Poop, les meilleurs, les plus légendaires YouTube Poop, je trouve que c'est celles qu'on demandait beaucoup de travail. Moi, je pense à. Non, je pensais que tu parlais de qui. Enfin, que tu disais que c'était du shitpost, quoi. Hey. Comment il s'appelle celui qui a fait Nounours? Mais il y en a plusieurs. En fait, t'as Bonne Nuit les Tipeux qui a fait Renard. Et mais mon préféré, je pense que c'est celui du Père Dorio. Nounours se fait expulser d'Internet. Ça, c'était légendaire, ça. Je le connais. C'est pas, le. Ah putain, j'ai oublié. Oui, au secours, mon bébé, il est tout bleu. Il est trop bien, celui-là. Celui-là, il est légendaire, celui-là. Légendaire. Au secours, mon bébé. De toute façon, quand t'es client, c'est souvent très vite drôle. Hein. Enfin, je sais pas comment dire. Genre. Oui, oui. Moi, j'étais un gros fan de YouTube Poop quand j'ai. Il est hardcore. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, mais j'arrive pas sur Twitch. Toujours ou un pas petit peu, en vrai. Non, mais ça me fait toujours rire, mais je pense que j'en ai beaucoup vu, quoi. C'est ça le truc, quoi. Non. Est-ce que ça passerait sur Twitch, je sais pas. Ça dépend.
Allez, des YouTube Poop. Moi, j'adorais le YouTube Poop de Motus, mais lui, il passe pas sur Twitch. Ah oui, 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 il était trop bien celui-là. Ah ouais, il est vraiment très bien. Ça. Il était très très bien. Ah, oui, je pense que tu pourras pas le passer, effectivement. En tout cas, la première partie est Twitchable, mais c'est tout. Oui. Non ! Non, j'ai pris la barrière ! Pleure. Ah pleure, t'as dit ? Oui, j'ai dit pleure. Bah, oh. Ah, bon, oh, j'ai oublié que le jeu était de la merde en vrai. J'ai oublié. Florence, t'es à 200% et t'es bas dans mon. Oui, moi aussi. Mais oui, on arrête pas de me dire ça et vous m'entendez encore moins que d'habitude. Si, ça va. Non, mais ça non, va, mais je pense qu'il faut que tu augmentes ton gain sur, ouais. Sur, ta, sur ton appli GoXLR. Normalement, c'est bon d'habitude. Bah, enfin, faut que tu mettes plus, je pense. Ou dans Windows aussi. Dans Windows, faut. Dans les paramètres de Windows aussi, faut. La boule noire est incroyablement noire. La game parce que. Non, mais je vais juste crier, je pense. Oui, voilà. Oui, voilà, crie. Ça file 20 subs. Crier et. Non, j'ai tenté. Non, mon cul. Pardon. Non. Mon cul, Kirby tassé. Ah non. Oh, j'ai DG. Oh, j'ai DG. Oh non. Oh merde. J'ai ruiné ma vie. Le fond vert, c'est pourquoi ? Parce que l'écran est vert et du coup, c'est dégueulasse. Et du coup, je mets juste le fond vert sans chroma key. Voilà. Et ouais. Attends, ça fait quoi si on met une chroma key sur GovGang ? Horrible. Ah bah voilà. Là, on est sur le. Comme Trackmania, mais en mieux. Ouais. Et, hein. Et étale ta tête sur tous les circuits là. Attends, je vais faire ça. Hein. Ça me paraît très très bien comme idée. Merde, ça a avalé mon curseur. Bon bah je le fais après les gens. Ok Kirby. D'accord. Attendez, mon curseur a été avalé. Oh non merde. Je commence à mettre de scène et je sais pas comment. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain Antoine. J'ai perdu mon curseur. Non. Oh non. Oh. Attends. Oh, ça fait... oh j'étais gêné par ce namètre. C'est qui ce... C'est qui ce... J'ai plus rien qui fonctionne. Ça suffit Antoine. C'est qui ce fils de pute de ce namètre? T'as un 8 coups, ça fait chier. Mon chien, oh, qu'il faut jouer là, hein. Mais Orti a troll là. Je n'ai plus de curseur. Je ne peux plus jouer. Orti a troll. Orti est occupé à étaler sa tête sur le circuit. C'est vrai, il est pas santé. J'essaye de jouer, ça marche pas. J'avais oublié la touche F. C'est que mon curseur est sur mon autre ordi et ça joue sur le deuxième ordi, donc je comprends pas. Reviens dessus. Mais je peux pas, j'ai fais plus de curseur du tout. Mais je fais un table. Le setup PC, attends, ça va être bizarre et complexe pour rien. C'est bien là, le chroma key est bien là. Mais je fais, mais ça écrit sur mon premier ordi. Comment ça? Ah mais t'as deux ordi. En fait, j'ai deux ordi, mon curseur est sur mon ordi de stream et ça joue sur et il fonctionne quand même sur mon ordi de jeu. Double PC, double problème. Hein. Aïe aïe aïe. Non mais je sais, attendez, ça va peut-être plus couper mais... C'est vrai que je regrette pas du tout d'être repassé sur un seul PC, effectivement. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Mais évidemment. On t'entend pareil. Non, c'est pas mal, en vrai. C'est super. Là, on entend mieux, là? On t'entend oui, pareil. Non, on l'entend bien, franchement. Parle, Florence. Parle oui, là, je suis la seule à parler, donc forcément... Moi, je l'ai toujours bien entendu. Bourre dans Windows aussi du gain, ça fait du bien. Bourre dans Windows. Oh. Ah non, mais là, il y a trop de gate, là. Déjà, il est trop fort, je vois. Bourre to be a... Attends, je le mettrai après. C'est parce que j'ai les nouvelles lunettes. Ah, vas-y. Je le mettrai après. Oui, avant, tu voyais pas, en fait. Tu vois bien avec tes nouvelles lunettes, là? Bah, en vrai, y a pas de différence. Enfin, moi, je la vois pas, en tout cas. Bah, du coup, c'est un problème. Pourquoi tu les mets, alors? Bah, c'est... Après, j'ai une toute petite correction. Ah bah, tu vois, il suffit que je dis ça. Bah, c'est pour ça que je le disais pas, en fait. Ah, mais j'avais oublié la touche F, oh là là. Moi, j'ai moins 8-5, avec vraiment... 8-5 Ouais. Ah ouais, 8, c'est 5. Énorme. Ouais. C'est je beaucoup. Suis un danger public. Si je n'aime pas mes lunettes en voiture, je suis un danger public. Mais moi, je sais déjà pas. Que... Moi, on m'a déjà pas que même avec, dit, déjà que même avec, c'est pas clair. Quoi. Bah, si tu fais pas d'examen, j'arrive, hein. Mais si, mais moi, j'ai une saloperie, mais il faut décoller la cornée. J'ai pas trop envie. Orti je suis là. De grâce. J'ai 1,25 à l'œil droit et 0,5. Orti si c'était pour pas jouer. Vous avez. Mais pardon, mais ça marche toujours pas. Faut aller à l'ordre, mais t'inquiète, je comprends. Si, on t'entend. Je t'ai répondu que j'ai fait un examen. Mais j'ai pas entendu. Bah écoutez, je ne sais pas quoi faire. Mais on va peut-être redémarrer. J'ai fait plein d'examens, mais moi j'ai des. Sur les lentilles, je sais que j'ai un chiffre, mais je sais pas ça correspond à ça parce que c'est négatif chez moi en fait. T'es en train de faire quoi, Antoine là? Bah j'attends qu'Orti finisse de jouer. Comment? Ah oui, c'est bien. Ah, c'est bien, Antoine. Attends, ah peut-être bah, oui, pendant. Non, je suis pas mute, mais arrête de dire que je suis mute. Antoine, tu vas être le cas maintenant. C'est normal. J'étais mute là. Ah voilà. T'étais mute là. Là, tu re, là, tu viens de re.
Plus qu'un coup. Ah mais non, mais les gars, mais je ne peux pas tirer. En fait. Non, pas plus qu'un coup, zéro. Zéro bien, coup, s'il bien, vous plaît. J'aime bien, Antoine, j'aime bien. Oh, c'est bon. Ah. Putain, mais je suis encore derrière Horty alors qu'elle joue pas les deux derniers tours, là. Attends, c'est bon, voilà, merci. C'est bon, là, merci à tous. Parce que... Ok, c'est bon, ça fonctionne. Ah, bravo. Tu vas pouvoir me redépasser. Oui, c'est superbe. Moi, j'ai une saloperie, elle a eu droit, mais j'ai vraiment pas envie de me faire opérer, je sais pas pourquoi. Parce que t'es con, faut faire gaffe, mec. C'est en même temps, te faire charcuter, non, mais ça... Non, mais je comprends, moi aussi, ça me trigger de fou. Mais si c'est vraiment une vraie saloperie, faut le faire. Oui, mais c'est pas grave, c'est juste ça. Ah, ça va, ok. C'est pas grave. Moi, j'ai fait des examens aux yeux. Moi, j'aimerais trop faire l'opération des yeux pour plus avoir besoin de lunettes. À la six, ouais. Les lasers. Bah, je pense que je le ferai un jour. Laser. Mais moi, faut que je me fasse enlever la cornée. Et ça, c'est badant, ça, tu vois. Ah ouais. Ils vont mettre une cornée de cochon. Ouais, faut une nouvelle cornée et tout. Ils font ça, non? Pas ça? Hein? Ouais, une cornée, Jean-Marie Le Pen. Tu vis au 19e siècle, Zerator, ou. Au hasard, là. Oh putain. Eh, si c'est plus avoir d'œil ou un œil de cochon, c'est bon, hein. Ah, putain de pute. Ah, il l'a putain dit. De pute. Il set the line. Il l'a non, je vais donner un double. Ah ouais, j'avoue, là, le nulos. Oh, c'est catastrophique. Oh, allez, vas-y, cette game, elle est pue la merde. Mintos, mi-hom, mi-cochon. Mais oui, les cœurs de cochon. Oui, j'ai cru cochon. Oui, le laser, je crois que c'était 2000 balles par œil ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Et si t'as pas assez d'argent, tu crois que tu as le droit de faire qu'un seul œil? Bah, c'est bizarre, non? Il y a des gens qui le font que d'un seul œil parce qu'ils ont qu'un seul œil qui décolle. Ouais, voilà, si t'as qu'un œil qui. Ah oui, bien sûr, ça arrive. Forcé à faire les deux alors que. Ah oui. Ah, monsieur, c'est les deux par contre, hein. Si, c'est les deux. Monsieur, c'est les deux ou rien, qu'on soit bien clair. Et on n'est pas à boulangerie ici, c'est les deux yeux. Non, putain. Et j'ai fait un truc bien là, je crois. Ah ouais, pareil. Ouais. Ah putain. On le droit m'a gêné. FF. Bah ouais, ce sera pas la première fois. Ah, c'était pas mal. Ah, je suis bloqué dans... Merde. Bloqué. Non. Ah, ok, c'est bon. Et vraiment, mais... Le mec s'est fait gagner le cœur de... Vas-y, c'est bon, là. Ah. Oui, bah le premier normal, hein. Allez, Florence. Ah non, c'est en premier. Arrêtez de décrypte. Hein, quoi? Non, mais on me dit c'est remboursé par la sécu, mais je crois pas que la sécu elle rembourse pour l'œil, hein, comme c'est pas nécessaire, c'est du confort, je pense. Ouais, c'est du confort, c'est nécessaire. Balèque, hein. Je crois que. Je sais pas, je suis pas certaine en vrai. Je crois que j'en ai aucune idée. L'opération, je suis pas certaine. Ils vont pas rembourser les opérations, tu vois. Enfin, pour ça, en tout cas, je veux dire. Aïe, pouic. Aïe, pouic. Aïe, pouic. Oui, aïe, pouic. Aïe, pouic. Ouais. Pourquoi ça a sauté comme ça? What the fuck? Oh, tu triches, Antoine? Bah oui, je crois que je triche, oui. Je crois bien que je triche, les amis. Bah... Ah. Bah... Oh non. Gagné. Oh non. Eh. Des valves de porc. Non. Ah bah alors, ok, super. Vous voyez pas ce qu'il fait, le chat, mais c'est trop mignon. Ah, la sécu rembourse 50 balles sur les 2000. Ah bah super, merci. C'est gentil, merci. 50 balles? Premier cœur de cochon est mort après 2 mois, le second il est encore en vie. C'est même pas un jeu Sonic. Oh, mais c'est normal ça, c'est des expérimentations. Le premier. Je rappelle que j'ai toujours des clés pour le jeu Sonic, hein, Horty. Oui, je sais, j'y ai repensé ce matin en plus. Gagné! Bah ouais. Perdu! Ouais, faut qu'on y joue. Je suis derrière JDG, what the fuck. JDG a fait un très bon début de game. Waouh, il fait pas des tours. J'ai il fait tout pas foiré au moment où je jouais bien. C'est la phase qui s'appelle conspirateur. Waouh, et ouais, JDG, bah ouais. Je suis un conspirateur. JDG des JDG, quoi. Mais pouic. Ah mais j'ai deux musiques, j'ai le truc. Voilà, ça vous a plu merde, cette là. Map oui, oui, super. C'était vachement bien. On a plein d'argent qui sert à rien parce qu'il n'y a pas de skin. Quoi? Pas de skin. On a gagné plein d'argent qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de skin dans le jeu. Ah mais si, on a. Mais si, il y en a plein des skins dans le jeu. Il y en a plein. Bah oui, mais il n'y a pas assez. Ouais, j'ai Attendez, je vais devoir... Je recrée la game. Vas-y. Non. Oh non. Je quitte pour avoir les nouvelles cartes du workshop. Ah mais ça va être des trucs tout buggés encore? Non, ouais, pas ça du va tout. Être buggé à balle. Oh, il pas du tout. Là, j'ai augmenté mon gain, ça se sent, non? Oui, c'est bien. Présenté, j'espère. Oui. Parle-moi, Florence. Moi, j'adore. Oui, bonjour Minto. Moi, apparemment, d'ailleurs, je me suis fait escroquer pour mes lunettes. On m'a dit. C'est mieux, ouais. Ah bon? Ouais. On veut dire quoi? Comment t'as? Oui, j'ai vu sur ton stream, tu t'es fait escroquer. Ah non, pardon, c'était le jeu auquel tu jouais pas. Je vous invite. Vas-y. T'appelles la deuxième paire pour 1€?
Attends, tu vas. Oui, t'es invité. Non, c'est pas ça. Je suis allé. J'ai payé 700 balles pour mes lunettes. Quoi ? Je connais pas le prix des lunettes. Combien ? Et ça a l'air d'être cher. Et on m'a dit que. Enfin, on ma mutuelle m'a remboursé 200. Et donc, du coup, 500 à ma charge, apparemment, c'était. Je me suis fait scammer. Ouais, moi, ah oui, bah, là, le chat est scandalisé en entendant le chiffre, dépend, là. En fait, ça dépend de la paire de lunettes que t'as pris, c'est surtout ça, en fait. T'as payé 700 balles pour des lunettes ? T'as pris une paire de lunettes Chanel, et bah, forcément, oui, j'allais dire qu'il a pris des Chanel à ce prix-là. J'ai pris une qui est 20 dons la J'ai pris un truc, ça s'appelle Gucci, je crois. Non, c'est des paires de lunettes qui coûtent 500 balles. Gucci. C'est des lunettes Nike. Pourquoi j'ai pas. Bah, la nouvelle paire de lunettes, c'est Nike. C'est Nike. J'adore cette ref. Florence, tu comptes venir dans la game ou pas là ? Oh, on a dit qu'on criait pas. Pardon, c'est juste pour lancer la merde. Moi, j'ai trouvé ça très cher, effectivement. Et ça l'est, je te confirme. C'est très cher. Ça a l'air très cher. Ah bah oui, oui. Bon, c'est 200 balles, un truc comme ça. Je pense, non, mais c'est 100% la paire de lunettes que t'as payé les yeux de la tête, je pense. Hein. Oh, bien joué, ça. Ah, j'avais... Ouais, elle était volontaire, bien sûr. Ah putain, c'est la collab FF14. Exactement. Et la Zik ? Un Macron Maki là. Oh putain, déjà quoi ? What ? C'est pas FF14. Ah, évidemment. Non, mais FF14, ils ont fait un truc avec. Oh, Horty là, c'est prêt. Ah ouais, Horty, elle est foncedée là. C'est... Oh, Horty, ça va ? C'est pas FF14, c'est... Dieu veut, mais putain, j'arrive pas à mettre ma boule au côté ! Mais attendez, je réapparais sur la boule centrale, regardez ! Regarde où je réapparais ! Ah, elle est bien, Antoine, ah non, voilà, c'est bon. Elle est forte, Antoine. Ouh. La musique. C'est Squid Game. Là, je suis pas trop musique forte, quand même. Mais on fait du crab game. T'es trop forte, Florence. C'est vrai. J'ai jamais joué à... T'es trop forte, ma chérie. Encore ouais. J'ai jamais joué à crab game, mec. C'est trop bien, crab game. Mais non, crab game, ça amasse, non ? C'est des serveurs. Oui. C'est de la merde. C'est Nike. Attends. C'est Nike. Tu descends. Voilà, hop. La musique, c'est funky, hein. Non! J'adore le funk. La Funky Family. Funky Cops. FF. J'ai pas trop de la funk, non, la Funky Family. La hein. Quoi, non? Oh, oh non! Oh, oh, ah, oh, c'est oh, très oh. dur la carte. Oui, oui, c'est dur là. Là, c'est un peu bizarre là. Ah! Comment on fait pour passer dans cette merdasse? Oh! Oh, oh non! J'ai voulu faire comme Antoine et j'ai pas réussi. Qu'il est bête, qu'il est bête. Oh non! Oh non! Oh, mais c'est de la merde en bas! T'as fait, Florence! Quoi. C'était logique, en fait! Faut passer par dedans? Par le haut? Mais oui, mais si. Maintenant que je suis en bas, comment je fais pour passer? C'est par derrière! Ah putain, derrière! C'est derrière! J'avais pas vu! Oh, mais JDG, il essaye de cuter! Oui, j'essaie de cuter parce que de toute façon. Il faut que je vois rien, c'est nul! On a fini en. Fond vert, la map, pépé à vert. Ça va, ça bouge à ce point? Oh là là, il va chercher les points, présente l'esprit de JDG, le joueur compétitif. C'est bien joué. Il a retiré le fond vert. On est dans la balance. Vu que c'était full vert, c'était dégueulasse, du coup j'ai retiré le fond vert. Aïe. JDG qui chute dans ses derniers instants. Bon, j'ai dit faut que tu forces à l'intérieur et voilà, ça continue. Dick du prochain ascension là sur ça. Ouais, de fou. Sur Glove Glang. Glove Glang. Allez frère, encore arrête. Allez frère, j'ai des idées. Ah. L'ascension sur GeoGuessr, mec, j'ai trop hâte là. Et ouais. Comment ça, pourquoi tu rigoles, bâtard ? On va l'appeler la World Cup. Ah oui, la première. La première, screenée, pitié. Ce sera la première World Cup du jeu. Non, ça sera la seconde. Non, la première, du coup. A chaque fois, c'est la première, hein, de toute façon. Qu'on soit bien clair. C'est la première de la semaine, quoi. On se voit ! Pas mal, pas mal. Il y avait des boosts, non ? Oui. Voilà, on est dedans. Et en vrai, elle est pas mal la map, mais c'est un peu. En vrai, j'aime bien celle-là. Non, c'est pas cuté, je suis tombé. C'est pas un cut, je suis tombé. Ah, arrêtez de cuter là. C'est, ça dit quoi les cutards? Oh non, je suis où? Ça dit quoi les cutards? C'est nice. Ah, tu me fais trop rire, Horty là. Ah, putain c'est bon de. Tamino, c'était trop mal, hein, mec. Quoi? T'as gagné. Ah ouais, j'ai gagné. Non, j'étais nul à chier. Oh non, merde, merde à couille. Ah, j'ai fait 2, nice. What do you mean? Justin Bieber? Ouais. Ouais.
Bieber. Justin Bieber. Bieber. Il fait trop rire. Dès qu'il sort, il essaye de faire des outfits horribles, là. Il n'était pas paralysé de la moitié du visage, Bieber. Non, tu confonds avec Stallone. Et voilà ce que je fais. Je comprends parce que les deux se ressemblent. Ouais, oui, non, mais oui, t'as raison, Bieber, il a eu un truc. Ah ouais, il a eu une, c'est pas lui qui a eu Lyme. Eh, vous avez vu, c'est une... non, il a eu Ligma, lui. Ah, mais je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. T'inquiète, Orti. T'as pas sorti. Bieber a été moi, paralysé. Moi, je suis plus Justin Bridoux que Justin Bieber. Justin Bieber. Tu veux pas d'accord, ok, bah c'est bien, t'es prêt pour Facebook, là, Mintos, avec cette vanne, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je lui ai dit, je suis plus Justin Bridoux que Justin Bieber, moi, voilà, il est prêt pour Facebook, là. Ah, oui, là. Il est prêt pour Facebook, là. Facebook Live, on va peut-être arriver à Facebook Live, hein. Il manque un 3 petits points, bisous, Martine. Moquez-vous, mais quand on sera obligé de streamer sur Facebook Live, ben bon, moi, je serais plus à moi. En vrai, je serais curieuse de voir ce que ça ferait. Je pense que c'est banger. Facebook Live, ouais. Oh putain. Oh non. Je suis éliminé. Ah non, je suis au début. Kick. Fallait le tenter. Cake. Allez. Cake. C'est quoi le meilleur cake? Voilà. Je continue. Celui aux olives. Ah putain. Indubitablement. Il y a des cuts de fois. Je l'ai fait en 4 coups. J'ai fait la map en 4 coups. J'ai essayé de cut et j'ai redé. Merci à tous. Tout au début. Oui. Trop fort. Oui, bravo Antoine, c'est super. Merci. Moi j'ai fait le 4 mais je l'ai réussi à la différence de Zerator. Oh. Putain, ça allez, la musique de Bruno Mars, celle-là je la reconnais là. Je suis coincé derrière un cul. Moi j'ai fait 9 coups, la chance. Oh bah si, c'est bon. Olive et chorizo. Ah ouais, pas mal, pas mal. C'est un manga ? Oui, tout à fait. Oui, c'est un shonen. Un shonen dans l'univers de la boucherie. De la pizzeria. Moi j'avais lu un manga, ça s'appelait Yakitate Japan et c'était un mec qui voulait devenir le meilleur boulanger de la Terre. Oui, trop bien. Oui, je m'étonne, Mintos, que tu connais. Un truc comme ça avec un boulanger. Les successeurs du petit chef. Ah oui, le petit chef. Ah, voilà. Putain, j'ai taché. Banger, c'est bien. Non, c'était les mains solaires, Maïchi. Premier clipé, s'il vous plaît, merci. Le clip. Je suis présente, clipé, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est vrai, ça. Bah, c'est pas parce qu'on t'invite pas. Oui. Bah, si, je sais. Voilà. Ah non, je parlais dans la vie, pas de la soirée. Ah oui, ok. Ah non, c'est vrai que tu es là. Heureusement que tu es là. Selon moi, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh. Attends, on peut passer là-dedans là ? Ça va quoi ? Ah non, ça va dans le vide. Ok, super, merci à tous. Oh, je suis une merde. D'accord, en fait, il y a des tuyaux, ils sont fatos, quoi. Merde, j'avais oublié ça. Mais ta mère ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai pas compris. Ok, je suis très con. Ok, pardon. Moi aussi, je pense que j'ai fait la même que toi. J'ai fait de la merde. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Ok, super. Ah putain, c'est dur. C'est comment ce que tu proposes. Ah, c'est mon brainworm, ça j'en peux plus. J'ai assez à foutre en croque. Jamais assez dopé. Putain. Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Surtout pour... Galerie Lafayette, qu'est-ce qu'il y a? Galerie de la... Galerie Lafayette, X Mintos, la collab qu'on attendait pas. Non, sérieux? Quoi? Ah? Non, mais... T'as dit quoi, Mintos? Ici, en fait. Elle veut son Coco Chanel. Qui veut son Coco Chanel? Galerie Lafayette. Si là j'y vais pas, c'est une plaisanterie. Si là, j'y vais pas, c'est... Ah, j'aurais dû aller dans le tuyau, mais c'est... Trop bien la map, vraiment. Oh, j'arrive pas à jouer. Plaisanterie. Je n'arrive pas à jouir. Allez, c'est mort. Quoi? Antoine. Je suis DNF, c'est bon, nique sa mère. Ah ouais? Tu peux y arriver, Antoine. Pourquoi vous parliez des Galeries Lafayette, ça m'a trigger instant. On parlait d'Antoine qui joue. On parle du Coco Chanel là. Pourquoi ça trigger? Parce que j'y ai travaillé, c'est parce que j'ai fait la merde. T'as travaillé aux Galeries Lafayette? Ouais. Coco stands for collabo by the way. Coco Chanel, sur Galeries Lafayette, je pense. Oui, bah, ça je sais, oui, ça je sais bien. C'est lui, okay. Ce qu'il a eu qui m'a fait rire. Quoi? Antoine qui a dit je n'arrive pas à jouir, ça m'a fait rire, voilà. Ça Allez, c'est maître. C'est le ton qui m'a fait rire. Pas le fait que je n'y arrive pas, sinon c'est vraiment dramatique, tu vois, c'est terrible. Oui, non, le fait que je n'y arrive pas, c'est drôle aussi. Quoi, what the fuck? Beaucoup de compassion. C'est horrible de ne pas y arriver. Oh là là, la musique là. Non, je suis tombée. Musique de baise. J'ai été punie parce que j'ai été méchante. Ouais, voilà. Two step, bébé. Non, c'est Coco Chanel, Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Oh, j'ai envie de le mettre là. Ouais, bah ouais. Oh, j'ai envie de le mettre. Mais comment ça va passer cette merde? C'est nice. C'est nice. Merde, non! Mais c'est nul, je vous suis et en fait, non. Pute! Pardon. Mais non, mais! Il m'a traité de pute. Non, je t'ai pas traité. Il t'a traité de pute. Moi, pourquoi t'estimes que c'est une insulte, Hortense? Allez hop, laisse partir. Oui, mais non, c'est pas. C'est juste que c'était dans le ton, quoi.
La baisse de musique. La baisse de musique. Attendez, attendez. Oh, non, je suis né à Mappé, je mets Ziak là. D'accord, Minto, c'est bien. Mais Ziak, vas-y. Oh. Two step, bébé, son chèque. Je connais pas. Mais ta gueule. Galerie Lafayette. Mais pourquoi il va pas dans le trou là? Elle veut son coco. Mais va dans le trou, connard. Bon, allez, vas-y. Dans le trou. Bof, t'es un puceau la première fois. C'est une blague. Quoi? Non, un puceau la première fois. Non, mais attends. Bof, POV, je fais un apagnant sur la place du Capitole à Toulouse. Non, ça suffit, Antoine. Ça suffit. Apagnant. J'ai vraiment l'impression d'une réminiscence de Jérôme Star, ça me rend dingue. Oh bah, Ortige a son épargne. She's dead right now. Elle est morte. Elle est tuée quoi. Ortige morte d'Underscore. Elle est dead. Oh, je pleure. Attends. Non. Attends, par ici. Oh là, non. Le slide. Ding. Oh putain, c'est pas mal ça. Merci Snamet. Ah non. Je souffre. Oh, c'est trop cruel. Elle s'est débile. Blablabla. Ça m'y tosse. Oh non, recommence ici, vraiment. Je suis buggée. Non. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Mon point est si dur. Oh non, mais sa mère là. C'est le jeu faire à Pagnon là, c'était trop pour moi. C'est mon TikToker préféré. J'ai la tête dans mon esprit. Damien, le canulariste, c'est mon idole. Hein. Vraiment, je te le dis tout de suite. Ça ne m'étonne pas, je m'attendais juste pas à penser à lui là. Oh, mais attends, faut aller là-dessus là. Vas-y, oh, la basse là. Oh non. Bien joué. Et la ligne de basse là, elle est emoji flamme là. C'est clair. Hein. Non. Une instru de Jamiroquai et le DOS là. Attends, plus qu'un coup quoi. Non. Ok, maintenant. Oh, et hop là, c'est fait. Bah ouais, mais c'est mort, moi, là. Comment ça? Ouais. C'est sérieux. J'ai fait un DNF. Elle s'est déshabillée sec, two step. C'est bien, Mintos. Bébé veut son chèque. Bébé veut son chèque. Tout ça à gauche. Mon coco la faille. Ah bah okay. Non, pas Antoine, visiblement. Bah non, jamais de la vie. Bah ouais, non, je vois ça. Bah non, non. Oh! Non, où je vais? J'ai perdu. J'ai de voir si elle avait un piège. Je sais pas si je suis dans mon sens. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Florence? Non! J'ai fait un cut de fou. Mais oui, j'ai l'impression que t'as fait un cut de porc là. Mais oui, mais j'ai. Une cote de porc, même, je dirais. Donc j'ai fait de la merde. Ça fait rire ça, j'ai les cotes de porc, toi. Hein. Ça, c'est ton humour. Hein. Mais roux. Allez hop. Comment hop là, c'est gratos. C'est marrant. Putain, je me suis régalé. Ah, c'est ça. Merde. Oh. Du rap encore. Encore du rap. Mais c'est impossible. Ah mais c'est bon, c'est fini. Oh, bravo à tous. Bon, allez, je tente. C'est trop dur. Non, impossible. C'était une vie de merde. Non mec, passe à travers ce grillage mec, c'est vraiment trop bien. C'est le cut ultime mec. Qu'est-ce qu'il y a, Orti? Attends, ça va. Oh non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Orti? Je sais pas, je suis juste fatiguée. Bah oui, Ludo. Alors, Bibou, mais qu'est-ce qui t'arrive? On a fait la main alors. J'ai passé une sale journée. Oh bah alors. Oh bah voilà. Donc ça va mieux maintenant. Oui, voilà. Bah oui. Ah, mais c'est un bumper, ça, j'avais pas compris. Oui, il faut aller sur le bumper. Oh, ça va. J'ai déjà pas sur le côté du bumper. Sous là. Ah, j'ai fait pareil. Quel jeu de con. Quoi? Pipou pipou pipi pipi. Nanana. Pipou 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 pipou. Find the crown. Putain, je parle pas anglais, je peux pas finir là. Merde. On m'a heurté. On t'a heurté underscore? On m'a heurté underscore. Excellent ça, mec. Mais elle est là, la couronne, je comprends pas. Go la prendre, essaie de la prendre toute la game. D'accord. Elle est trop bête quoi, c'est fait avoir. Oh ah putain, c'est où? Attends, c'est lequel? Je suis baisé. Putain, c'est lequel?
putain, bah, c'est lequel? Je suis à la mauvaise. Oh, je l'ai vu. C'est là-bas. Il faut aller là, en fait. Ok, je crois savoir où est-ce qu'il est. Faut aller. Quoi. Bon, bah, faut monter là-dedans. Ouais. Ah oui. C'est ça. Non, j'ai raté. Ah, putain, putain, c'est dur. Il est où, Mintos? Putain, c'est où? C'est où? Ah, ça saoule. Non. Ah, c'est là-bas, putain. C'est un escape game, le bordel, là. C'est bien, j'aime bien ça. C'est laquelle? C'est bien, c'est bon. J'aime bien. C'est laquelle, la bonne? J'ai hâte de faire ça avec le tir à l'envers, là. Oh, bien joué. Oui, bien. C'est bien vrai, ça. C'est tellement vrai, en plus, c'est ouf, quoi. Arrête. Ok, c'est pas vrai. Ah, non, mais... Ah bah, tu vois, on est perdant dans tous les cas, voilà. Tu dis que les femmes savent pas ce qu'elles veulent, c'est ça? Namètre, t'as un problème. Ouais, c'est que je dis exactement ça, Orti, t'as tout compris. Ouais. Oui. Namètre, ça va, là, ou quoi, là? Non, ah, bah non, ça va, ça va, et toi? Namètre, appuie sur R. Est-ce que c'est un bug du spec mode, ou c'est juste... Ah, voilà, merci. Non, c'est un bug. Assistance. Bon, ça ira. Bon, je vais mourir, là. Pourquoi tu t'appelles Snamètre? Parce que il a dessiné. Parce que sur un scriblio un jour, quelqu'un a dessiné Snoopy et Mintos a écrit Snamètre et ça m'a fait rire. Et ça nous a fait rire. Il voulait écrire sa mère et il a écrit sa mère et j'ai écrit Snamètre, ouais. Il voulait écrire sa mère, putain, fallait pas me le dire. Maintenant c'est devenu moins absurde et du coup j'aime moins. C'est moins drôle, je trouve. Je savais pas qu'il voulait écrire sa mère. Je pensais qu'il voulait écrire Snoopy mais qu'il est juste débile. Ah d'accord. C'est la première fois de ma vie. T'es sur podium, bravo Florence. Moi ça m'était arrivé avec... Zerator est arrivé premier comme 89% des personnes. Pardon. J'ai gagné. Ah, une nouvelle. Bravo. Eh, t'es bien cette map, j'ai bien aimé. En ayant fait 15 000... Elle était super. On avait déjà fait cette map en fait. Là c'est merde. Je me souviens pas, c'est moi j'étais pas là. Sans moi. Si, je crois qu'on l'avait fait, ça me dit un truc. On va faire Fall Gang 2. Step. Fall Gang. Fall Gang 2. Je me le remets là. Allez. J'ai écrit Snamètre au lieu de cacahuète, ouais, exact. Snamètre. J'avais écrit cacahuète. L'extraterrestre. 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 On est prêt. Snamètre, extraterrestre. Ok. Go. Je crois que celle-là, on l'a jamais faite. L'autre aussi, je suis persuadé. Non. On les dénonce. J'en ai marre. C'est chiant. Oh, faut passer là. Comment vous... Pourquoi vous êtes pas... Oh, mais je... Bah oui, il y avait de la triche. Oh non! Non! J'ai triché. J'en ai marre! J'en ai marre! Oh, mais ça me cule! Ça me cule. Ça me cule, ça tout me simplement. Cule. Tout simplement en train de me culer, là. Ça me suu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 
Merci Fanny 93 pour les 3 mois Racing LXB, ouais, les 39 mois, merci beaucoup. À la toute fin. Ah oui, c'est vrai. Pas sa place. Bagheera va être fichée partout. Ah bah Bagheera, elle est déjà fichée partout chez moi. Hein. C'est mieux gorné pour les bâtiments. Ouais, sauf que moi, c'est pas une blague. Ok, ok. What? Non, mais ok. Attends. Bah non. Elle est fichée B. Elle est fichée B. Elle est fichée B. Fichée B comme bim. Ouais. Ok. C'est bien. Non, je... Oh! Ok. Voilà. Ok. Fichée B pour... Oh, mais non, mais non, mais non. Exactement. Hey. Ok. Oh, ça a l'air bien. Mais non, mais non. Oh non, mon cerveau, il veut plus, là. Oh. Oula, 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 ce passage-là est dur. Oh, 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 oh. Attends, en fait, il faut que je suive le truc. Oh, oh. Bichard bon, Un quoi? Tu veux quoi? Un Harlem Shake. Allez, c'est reparti pour la merde. Ouais, un bon lead-up, là. Ce serait lead-up des streamers, là. Ce serait vraiment stylé, en plus. Un Ice Bucket Challenge, sinon, là. Ouais, allez. Ouais. Ah ouais. Ça marche bien chez les jeunes, ça. Non. Les jeunes, vous kiffez le Ice Bucket Challenge? Alors, les jeunes, là, sur Vine. Eh, Gangnam Style, là. Ça va ou quoi? Un lip-dub sur la langue, ça serait vraiment stylé, je pense. Bah, c'est comme Glam Style pour la K-pop. Hein. Un lip-dub sur la langue de Sarkozy 2007, là. Quoi? Mais vous savez, les lip-dubs, en vrai, je pense, les ceux qui sont nés dans les années 2000, ils savent même pas ce que c'est. En bah, en fait, t'en as un peu sur TikTok, tu sais, je vois souvent des. Genre, le Leclerc de je sais pas où en train de faire un vieux lip-dub. Je vois toujours ça. Alors, ouais, il y a toujours ça. Encore ça. Le compte Cringe Talk, c'est vraiment très très bien. J'adore. Si vous aimez ce genre de choses comme ça. Parce que c'est normal. Le monde. Ouais, ça bien, déjà, moi, j'étais ça, à la limite pour les lead-up, donc... Non, on fait un Harlem Shake au bar de JDG. Franchement, vas-y, Mintos, on te regarde le faire tout seul, ok? Ouais. Surtout qu'en plus, il y a plein de familles, donc t'auras du spectacle, tu vois. Ce soir, Mintos en dédicace au bar de JDG. Oh ouais. Vous avez la référence de la ville de Vanves, là où ils font un lead-up sur La La Land, justement? La La Vanves, bien sûr. La La Vanves, voilà, c'est ça. Oh putain, je déclare. C'est un classique. Je ne dirai rien sur cette vidéo. Pourquoi t'es dedans? Parce que c'est vraiment juste à côté de chez mes parents. Ah oui, ok. Bah alors ne le dis pas alors, au lieu de le dire. Non mais genre, ils sont dans la vidéo. Je ne dirai rien, que c'est juste à côté de chez mes parents en fait. Mes parents, hein, non mais parce que du coup j'ai vu le truc en direct quoi. C'est impossible. Ah, tu l'as vu réalisé. Oh, quelle chance. Non, c'est pas par là. La naissance d'un mythe. Je dois aller où? Je comprends pas. Quand tu tombes, t'es un peu du père après. Hein. J'ai vu la légende se créer en direct. La légende. Ça, je l'ai vu se créer en direct aussi. Loge, mais c'est par où ça? Mais c'est par là. Oh, la musique, elle est. Mais c'est où après, quoi. Putain? Mais je sais pas, je comprends pas. Ah, c'est dur. Hein. Mais comment tu vas aussi haut? Moi, c'est pas monté aussi haut. Faut aller où là? Ah là-bas. C'est horrible cet endroit, Mintos là. Ah, oh, c'est de la merde, oui. Oh, c'est horrible! Je suis dans la lavande. Ouais. Horrible! Oh non, mais c'est. Ça pue la merde! Oh, je te bloque! Ça pue la merde! Je te bloque! Ça aussi, c'est un truc de. Ah, je te bloque! Ok, les ça, c'est une référence de. Okay, ça, c'est Clément de No Life, une très 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 vieille ref. Ouais. Vraiment vieux. Hein. C'est pas What the Cut, hein? C'est plus vieux quoi, deux cuts. Hein. C'est plus vieux quoi, deux cuts. Beaucoup plus vieux quoi, deux cuts. Bon, parce que parfois, je balance des rêves comme ça et je me dis toujours, est-ce que c'est What the Cut ou pas? C'est impossible. Là où je suis, c'est impossible. Hein. Truc dans les caves. Là. Si je fais des refs à voix de cut, bon, c'est compliqué. Dans les caves, dans les hangars. C'est impossible. Là où je suis, c'est impossible. Et te cours, dans les couloirs. Quoi la qualité? Pourquoi l'encodage est immonde, c'est ça? C'est moi, ça va. Y a un problème d'encodage là. Parce qu'il joue trop vite. Mais non, mais attends, parce le chat. Avec ma chroma key, je suis dans le ciel de temps en temps. On dirait un vieux. C'est un vieux montage. Bien, pourquoi vous dites que le truc est dégueu, les gens? Bon, attends, je vais... Moi, c'est propre. Hein. Chez moi, c'est propre aussi, si jamais, les gens de mon chat. Sur YouTube, c'est encore mieux, en plus. Ah bon, c'est hop là. Pas. Et moi, mon stream, il ressemble à une telenovela, si vous n'hésitez pas. Pourquoi j'entends ton bruit, les gars? Je suis le cowboy qui crie dans le ciel. Oh. Est-ce que quelqu'un te rentre dedans? Quelqu'un me rentre dedans? Bah, quelqu'un est rentré dans le cowboy, quoi, il me semble. C'est-à-dire? Il rentre dans le cowboy? Ah, il rentre dans le cowboy. Ah, pardon, j'ai compris après. Ah! Merde. Il rentre dans le cowboy. Les sourcils. Ah, ah! Non, c'est bon. Et là, le petit cowboy, il fait. C'est juste pour savoir quand est-ce que vous allez mettre la deuxième couche. Et là, t'as un énorme gaillard. Un énorme gaillard. C'est vraiment des bâtards, sachant qu'ils ont rigolé en plus et qu'ils ont. Oui, je pense qu'ils sont vraiment là. Ah, j'arrive pas à y aller. Mais je trouve incroyable. Bah, si, avec ça. Ah, hein. Oh, ça arrive. Putain, ça arrive.
Ah, ça y est, c'est bugué. Non, maître. Ouais, mais oui, c'est bugué. Au début, ça casse les couilles, c'est pas bien. Ah, voilà, merci. Bien joué, Antoine. C'est toujours dégueu la qualité. Ouais, ok. Attends, je regarde juste le. Moi, c'est super. Bah, normalement, ça va pas changer. Hein. Appuie sur F, JDG. Bah, normalement, c'est bon. Hein. Ah, je pensais que ça allait te faire spawn ailleurs. Bah, non. Mais non. Essaye, là. Et bien, les carrés bleus et jaunes. Ah, c'est les carrés bleus et jaunes, c'est ces trucs-là, là. C'est bon, t'as respawn, là. Ouais, au début. Putain, vas-y. Putain, mais Nick. Allez, mais vas-y, je viens de chez Antoine, c'est bien mieux ici. Allez, je rebondis sur les gros sourcils de Mixem, là, putain. Je suis le soleil des Teletubbies. Ah ouais, un peu. Hein. Je crois que le soleil des Teletubbies, maintenant, il a 18 ans. Voilà. Oui, c'est une fille, d'ailleurs. Non, mais ça fait pas longtemps qu'il a 18 ans. Et elle a plus de 18 ans. Elle a plus de 18 ans. Elle a plus de 18 ans, oui, oui. J'avais vu une micro-interview, un truc comme ça. Oui, pardon. J'avais vu une micro-interview. Ah oui. Ouais. Oh non, oh mauvais non. Côté. Ok, faut partir par là. Oh. Oh. Oh enfant. C'est bien la Paris Game Week. Ah, ok. Ouais, ça okay va, je vois. Ouais, ouais, bon, ok, ok, ouais, bon. Bon. C'est si, bon, moi je suis allé 15 jours et c'était super. 15 jours, t'y allais ? 15 putain, putain, le traducteur de la BlizzCon, mec. Légendaire. Ah, c'était bien, hein. Légendaire. C'était pas bien, mec, c'était légendaire. Ah, c'était incroyable, ouais. J'ai pas la bah, au moins, on s'en souviendra, comme je disais. En fait, y avait, bah, du coup, il y avait la BlizzCon qui était... Enfin, Zera, Kenny et c'était KO, la montrait sur la scène de la Paris Games Week. Il y avait un traducteur qui était pas sur place, mais un traducteur FR. Et c'était un mec sous Xanax. Vraiment, il était en mode, « Salut la BlizzCon, ça va ?» Oui, vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud dans la salle? Vraiment, vraiment, c'est vraiment ce tiers-là, tu vois. Mais tu sais que je crois qu'il s'est un peu fait virer après le truc. Hein. Non. Si, si, je crois. Oh non, horrible. Grave. Du coup, c'est pas drôle. T'as vu, t'as pensé quoi, Zera, toi, de la différence, les cutscenes de haut? Enfin, la cutscene de haut, elle a vraiment changé dans le style, là. C'est beaucoup moins cartoon. C'est très FF14, oui. C'est très FF, ouais, effectivement. Ouais, écoute, on en reparlera hors live, mais j'ai pas... Moi, je serais Naoki Yoshida, je serais déjà devant mes avocats. C'est dur de vous, là, non ? J'ai presque pu sentir l'odeur de Yoshida, si je suis élu. J'étais vraiment à deux... Il y a bien des choses à dire. T'es pas à deux mètres de lui. Bah déjà, pour moi, c'est pas une cinématique, pour moi, c'est une cutscene entre deux quêtes, tu vois, donc... Oui, pour moi, c'est pas ça, une cinématique d'intro d'extension, ça devrait pas être ça. Oui, mais c'est vrai que c'était un dialogue entre... Non, elle a 28 ans, la meuf, le soleil des Teletubbies. Ah oui, elle a plus de 18 ans. Elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Oh, elle est vieille. Bah, ta gueule. On va fermer sa gueule, celle-là. Pourquoi, Florence, pourquoi être... Attends, ce que j'ai plus, c'est que je vais bientôt avoir un âge fatidique qui me déplaît fortement. Mon âge, je me déplaît aussi, en fait. T'as quel âge, Florence ? 29. Oh quoi non, Florence, tu fais chier. Bah, c'est pas de sa faute, c'est d'avoir 29 ans, hein. Pas de lui parler comme ça. Voilà, putain, Florence ! Il y a tout s'y passer un jour. Mais quoi, t'en fais à peine 20, t'en fais à peine 20, Florence. T'en fais 20. T'en fais à peine 20, bon, tu rigoles. Toi de mes goûts ? Quoi ? T'en fais 20. Je confessais à mon chat que j'ai écouté 4 podcasts hier de France Inter. Hier. Bon, allez, elle a 65 ans là. T'as 60 ans, j'ai rien dit. Vraiment, j'ai écouté 4 affaires sensibles de France Inter et j'étais en mode, ah ouais, c'est trop bien, c'est mieux que de la musique en voiture. On était là, quoi. Fabrice Drouel, le goût. Okay. Ah, et ça, vraiment, c'est le goût. C'est pas un truc de. Oui. C'est pas un truc de vieux, ça. C'est pas un truc de trentenaire, ça. Parisien de trentenaire, quarantenaire. Affaire sensible avec Fabrice Drouel, c'est incroyable. Pour moi, c'est un truc de mère de famille, ça. Bah oui, j'allais dire, c'est. Mais sauf que. Enfin, ça dépend ce que t'écoutes, mais moi, j'ai écouté la relation. Enfin, un peu. J'écoute de tout, moi. La relation entre Mitterrand et Rocard, tu vois. Oh, putain de merde. Et c'était pas le jeu, c'est pas le jeu qui m'a fait réagir comme ça, c'est vraiment ce que tu viens de dire, Florence, hein, je tiens à le dire. Florence qui vieillit à vue d'œil avec le stream. Ouais. Et le pire, c'est que j'ai trouvé ça super intéressant. Putain, la relation Mitterrand-Rocard en podcast audio me donne envie de me saigner aux quatre veines. Ah bon? J'ai aimé chaque minute. La beauté fanée. Mais c'est bien. Mais c'est bien, ouais. Faut s'intéresser à des trucs. Est-ce qu'il y a des fanfics entre Rika entre Rika entre Ricard et Mitterrand? Très peu, Ricard, Fred. Oui. C'est vrai que ça manque un petit peu sur le marché de la fanfic. Moi, je les ship de fou, quoi. Je les ship de fou, là. Merde. Mais qu'est-ce que... C'est quoi le nom du ship? C'est Mitterrand. Mitterrand, c'est le nom du ship Rocard Mitterrand. Très drôle. Merci, tu le dis avec beaucoup de conviction, en tout cas, merci. Non, c'est parce que j'ai la flemme de rire, donc j'ai la flemme de rire. Je le verbalise au lieu de le montrer, parce que j'ai la flemme. Mais attends, faut aller où après ça, là ? Je sais pas où faut aller. Mais je comprends pas ! Moi, je comprends rien à la map. Hein. Ah, mais si, j'ai capté. Je comprends pas !
La merde. Ah, c'est bon, j'ai capté. C'est de la merde. C'est giga, la merde, la merde. Giga dur. Ouais. Sympa. Ouais. 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 Passe-la moi. Quoi? Ok. C'est à droite, peut-être c'est mieux. Ah putain. Personne, Manuel. Faut aller où? Ah ok, j'ai compris. Oh, oui, bien, bien ça. Oh non. Très bon, très bon. Chiat. J'essaye. Je possède la référence. Putain. Oh bah c'est perdu, voilà. J'ai jamais vu le... Ouais. Si, si, moi je sais où il est le truc. Eh, hey, ça me... Genre. Ça te pèle le jonc. Ah. Et on lui pèlera le jonc. Oui. On lui pèlera le garg. On lui pèlera le gag. Allez. C'est bon, je suis arrivé. Ouais, je suis dedans, je suis dedans. Amen. Non. Attends, c'est dur. DNF. Pleurer. Ça veut dire quoi, DNF? Do not, did not finish. J'ai rien compris. Did not finish. Do not finish. Did not finish. Do not finish. N'a pas terminé. N'a pas fini. Ok. Est trop nul. Oh. Il y a un clip. Oh, mais l'autre. Foutez-vous les dans le fion. On dirait des petits chewing-gums sans sucre. Il y a un clip où Zera écrit ça et c'est un de mes brain noirs, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Quoi, DNF? Ouais. Ouais. Attends, tu sais. Régulièrement dans ma tête, je t'entends faire DNF. Ah, oui. Ah merde. C'est quoi vos brainworms là? Oula, j'en ai trop, j'en ai trop. Moi j'ai un brainworm de Zera aussi. Qui, quand moi j'ai un truc de Genshin. Ok. Okay. Zera qui le fait vraiment, il le fait d'une façon c'est un revient de façon random dans la journée. C'est un truc qui tourne dans ta tête. Genre, c'est, je sais pas, ça peut être une musique que t'as régulièrement dans la tête. Ça peut être un. Le cri de mon enfant qui pleure. Voilà, pareil. Non mais ça peut être un truc qui te revient régulièrement. C'est uniquement de ton esprit, sinon ça compte pas. C'est l'Empire romain, tu vois, un peu. Oh, par exemple. Merde avec ça. T'es très TikTok, toi, Mintos, j'ai l'impression, quand même. Hein. Mais non, l'Empire romain, c'est très TikTok, toi. Alors que nous, on parle de... Okay. Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est ce hockey-là que j'ai des moi, fois. C'est Zerator. Mais c'est Naps, hein, c'est pas Zerator. C'est NAPS, Florent. C'est Zera qui imite, tu vois. C'est Zerator chante Naps, quoi. Oui, mais c'est de la merde, c'est ta version, j'ai ta cover. C'est ma cover. Comment ça s'appelle justement ce truc quand t'as un mot qui te revient tout le temps en tête et que t'as besoin de répéter? Il y, y a un mot tic de l'envers. Ah oui, folie. Folie. Ça commence par L-O. Ah non, de l'écho. L-U. De quoi? C'est de l'écho Lali. L'écho Lali. La bataille de Poitons. C'est quand t'as un mot. Lali. Lali. Ouais, c'est ça. Parce que des fois on parle de chansons dans la tête, mais moi j'ai des mots dans la tête que j'ai trop envie de caser à toutes les sauces. Mais c'est ça, c'est de l'école à lit. Le problème, Florence, avec toi, c'est que c'est que des mots racistes, c'est ça le problème, Florence. Gagné. Quand quelqu'un dit un truc sur un certain ton et que t'as envie de le répéter, bah c'est ça aussi. Deuxième. En deuxième, c'est premier, mais il y a Zerator. Putain, mais Zerator, c'est impossible de le battre. Arrête. La. Quoi? Non, c'est pas vrai, peut-être? Non, 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 il a hi. La hi. Oui, c'est ça. Alors sachez que je viens d'aller sur A03, je ne connais pas, et qu'il existe une fanfic sur plusieurs hommes politiques, dont François Mitterrand. Eh ben c'est super, Florence. Tu nous l'as dit. Nous l'as dit. Tu nous l'as dit pas. Te dire que maintenant qu'il y a les IA, c'est le moment de rendre ça réel. Je vais faire une vidéo et on la jouera. Sur... Ah, est-ce qu'il y a l'IA de François Mitterrand? Pas comme a fait Billy là. Ah bah sûrement. Oui. Est-ce que tu peux la lire sur la musique de Requiem for a Dream? Est-ce qu'on peut lire les fanfics avec les voix de François Mitterrand? Ah. C'est le Quanneuf Scooby-Doo chanté par... Merde, comment il s'appelle? Ah oui. Quanneuf Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Oh wow. Les indices après tout. C'est qui le rappeur qui chante? Simple Plan. Non, pas Johnny, c'est pas... Michel Sardou. Caris, c'est Caris. Caris chante Quanneuf Scooby-Doo. Ah mais oui, ah oui, si, si, bien sûr. Il y a plein de trucs avec Caris. Je l'ai vu, Caris qui chante Quanneuf Scooby-Doo. Bien sûr, je l'ai vu. Moi je trouve pas drôle celui-là. Attendez, Caris. Tu trouves pas drôle celui-là? Je trouve pas ça drôle. Non, non, Caris c'est trop simple. J'ai pas aimé du tout. Ouais. Alors que toutes les IA de Johnny, par contre, elles sont vachement cool. Quelles IA? Johnny. Ah oui, Johnny c'est incroyable. Parce oui, que c'est toujours Pokémon, incroyable. Ça rendait trop trop bien. Mais ouais, ou celle de Code Yoko. Et One Piece aussi, c'était fou. Pokémon, bien sûr. Je connais même pas le générique de One Piece, là. Moi non plus. Quoi? A03. Ah d'accord. On n'est pas A03. Les gens sont en mode genre tu connais pas Florence. Apparemment c'est les dégénérés de Twitch qui se branlent sur des fanfics. Genre. Vous avez vu comment ils vous traitent? Comme vous devez être traité. Comme vous devez être traité. Tu parles mal de qui là, Antoine? De mon chat. Moi j'ai quoi? Ah d'accord. Oh faut aller où là? Moi ça jamais ça. Hein. Quoi, comment ça?
Faut aller sur le côté? Non. Non, c'est pas sur le côté, ouais. Mais nous, on n'est pas passé. Non, pas c'est bon. Ah d'accord. Si, fais sur le côté. C'est gigantesque. C'est grand. C'est un peu grand, hein. La chance. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Ça, vous arrivez à être synchro sur distance. Et ça veut dire qu'on n'est pas du tout synchro dans la vraie vie. Ouais, mais du coup, chez moi, ça sonnait trop bien. Oui. Bah, merci beaucoup. De belles harmonies que voilà. Ouais, c'était très beau. Non ! Oh ! C'est... Ah, mais cul. Ouais, comme tu dis. T'as réussi, Antoine ? Comment ? T'as réussi ? Oui. Si on était en 2015, que Fred vient de dire, là, ça aurait été devenu genre un remix. Ils auraient fait des musiques avec et tout. Ça aurait été trop bien. Avec Omega ! De comment c'est... il s'appelait, là Voilà, exactement. Non, mais c'est une ouais. plaisanterie. Ouais, Shindeai, comment ils ont... comment... pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant ? C'est une soundbox. Eh putain, il y avait une appli, il y avait une appli What the Cut Sandbox à l'époque, qui était pas de moi, et apparemment ça s'est genre téléchargé à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires, j'ai touché 0 euro là-dessus. Tu veux pas mettre une map qui n'est pas crevée. Qui est du cul. Horrible. Pas horrible. Le mec s'est mis bien quoi, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a fait un montage de moi comme si je présentais le What the Cut 38, ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, je peux le voir. Oui, il est sur Twitter, il est sur mon Discord. Bah je vais aller sur Twitter, Horty. J'ai envie de télécharger la soundbox, attendez, boîte de cœur. Va sur Twitter, en fait. Ouais. Les gens me disent, j'avais cette application, voilà. La map, elle est buggée comme de... Allez. Ah, moi, j'avais mais pas. Mais c'était pas mon appli, hein. Ma map soit buggée. Y a pas sur iPhone l'appli boîte de cœur. Mais ça doit plus exister depuis 1000 ans, mec. What the Cut, c'est old et finito, tu vois, donc... Mintos ou quoi? Finito. Et finito, quoi. Chier, sérieux, Mintos, hein. Mais non, mais c'est bien, hein. Bon, c'est bien, oui, mais bon... Je t'ai envoyé le truc, Antoine. Merci. Quoi de Scooby-Doo ? Nous, on te suit partout. Contrairement aux autres, la chanson est bien toxique. Helmut Kohl. Moi, j'ai c'était un chancelier allemand. Sauf sur mes réseaux. Chancelier allemand. Oh ! Mais il y a énormément de fanfics Mitterrand et Helmut Kohl. Oui, parce qu'ils ont une photo où ils se tiennent la main. Ah, d'accord. J'en ai beaucoup, tu vois. Ouais. Mais ils se tiennent la main en mode ils serrent la main ou ils se tiennent la main comme des enfants? Non, ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main comme des amoureux. Je pense qu'il y a une vraie demande. Hein. Ah, je vais nous écrire une fanfic. Bah, ça doit de la lire là. Mais là, copie là dans un TTS. Il y en a plein. Mon mec m'a dragué avec des tags de What the Cut il y a 10 ans. La première map a complètement bugué. Copie là dans un appli de TTS et puis mets-le dans ton stream. J'ai enfin fini. Vous savez qu'il y avait un dictateur qui s'appelait Horty. Quoi ? Ortiz, non ? C'est pas Ortiz ? C'est un dictateur qui s'appelle Horty. C'est pas Ortiz plutôt ? Non, je crois que c'était Horty. Oh non, les tags, et du coup, c'est terrible parce que. Non, attendez, j'arrête. Parfois, je crois que les gens ils parlent de moi et en fait ils parlent du dictateur et du coup, c'est terrible. T'as vu Horty sur Twitch ? Quoi ? Moi ? Non, le dictateur. Ah oui, d'accord. Ah oui, en Hongrie, voilà, c'est ça. En Hongrie? Ah ouais. Comment je fais là? Non mais y a pas eu que Orban qui a dirigé la Hongrie, Fred. Maintenant c'est Horty. Victor Horty. Non mais c'est vieux. Victor Horty. C'est vrai, putain, c'est le nom de mon frère, Victor. Oh. Non, c'est pas terrible. Victor. Non mais il s'appelait pas Victor. Ah ok, j'ai eu peur. Non, attends, la voix il s'appelait Miklos Horty. Miklos. Putain, c'est le nom de mon deuxième frère. Miklos. Mon prénom, c'est pas mon prénom, c'est Miklos. Il n'y a pas la voix de Mitterrand. Miklos. La porte de moi, j'ai été en classe avec la fille d'un dictateur. Il l'a eu. Attends, JDG, t'as dit quoi? Oui. J'ai dit ça, c'est fort de fruits. Ah ouais, je suis content. Ah non, c'est la force du fruit, non? Vous l'avez déjà dit ou pas? On y est. Ouais. Que j'avais été en. Générationnel. Ah, ils l'ont changé après? Je vous l'avais jamais dit. Que j'avais été en classe avec la fille d'un dictateur. Oui, avec Michael Vendetta, oui. On non, sait. Non, la fille d'un dictateur. Mais elle disait la force du fruit ou ça c'est fort de fruit? Non, c'était... C'est important. C'était... Parce que c'est ça, la, le vrai sujet. C'était la fille de Mobutu, le dictateur du Zaïre. Du Zaïre à l'époque, maintenant République démocratique du Congo. Elle était en classe avec toi. Parce que, en fait, c'était ma première année d'études supérieures, elle était dans la même école que moi, en fait. Elle était... Elle a l'instruction, elle aussi. Oui, non mais d'accord, mais je voulais... Attends, tu veux dire en son? Non, elle était à l'ESRA. Elle était à l'ESRA. La vie de ma mère, elle était à l'ESRA. ESRA Tor. Oh, waouh. Et en fait, d'accord. Je l'ai su
parce que son fond d'écran c'était son père et je lui ai fait mais c'est bizarre pourquoi t'as Mobutu en fond d'écran. Je lui ai dit oui je savais que c'était. Elle me dit c'est mon père. Je fais ah ouais trop marrant, c'était vraiment son père. Voilà. Mon père, ça s'appelait sûrement Mobutu. Elle a dit c'est mon père, il a fait ah t'es trop conne. Oui, c'est waouh. Trop bizarre. Non, pourquoi tu as Hitler en fond d'écran? C'est mon daron. Voilà, merci à tous. Mais l'anecdote est incroyable. Non, mais c'est vraiment vrai. Quoi. Déjà, ça doit être mais rare. Je te crois, les gens je te qui crois. Ont leurs parents en fond d'écran, quand même. Oui, bah, non, mais bien sûr. Oh. Mais bah, non, mais en fait, il était mort. Il était mort depuis longtemps, et du coup, je pense que je sais pas, oui, ça devait lui rappeler quand il était vivant et que c'était un dictateur sanguinaire. Lui rappeler ses meilleurs années. Qui met son père en fond? Bah, si ton père est décédé, c'est possible. Qui a Mintos en son fond d'écran? Vas-y. Tu veux pas avoir la réponse, Mintos? Mintos, bah, t'as bien vu sur mon stream que moi c'était le cas. Hein. Oui. Mintos, la réponse c'est tes enfants évidemment. Ouais, bien sûr. Bah, Lilou. Lilou en fond d'écran. Lilou, t'es mis. Putain, je pue la merde. Non. Vous tout en aime ou pas? Bah, je sais pas. Bravo. Celui de gauche, le tuyau de gauche, artiste. Non, là tu vas mourir, tu vas là-dedans. Reviens, Orti! Retourne sur tes pots! Non. Elle n'a pas envie d'entendre. C'est quoi votre fond d'écran, vous? Vieux plop là. Un truc de mon téléphone? De mon téléphone ou mon PC? C'est le fond d'écran d'iPhone. Moi, c'est des nuages et des étoiles. PC, c'est un truc d'FF14. Moi, c'est le truc de base d'iPhone. Moi, c'est un fanart que j'ai fait pour mes. Romano et d'iPhone. Un fanart que tu as fait? Tu l'as pas changé, je vois lequel c'est. Ouais, j'ai le même depuis 3 ans. Tire. Quoi? Moi j'ai un fond d'écran un peu sombre parce que quand t'es énervé le matin ça me fasse mal aux yeux. Ouais, je comprends. J'ai cru que c'était pour moi perso. C'était une mauvaise idée. Je savais que c'était une mauvaise idée de faire ça. Putain, je te rends. Et toi Fred, c'est quoi? C'est un truc de Star Citizen ou pas? Oui. Je l'avais mis, oui, c'était un fond d'écran animé Star Citizen, mais je l'ai viré parce que ça prenait de la maintenant, mémoire. Maintenant c'est mon fils. Même le fond d'écran prenait de la mémoire? Non, mais c'est... Ah bah si tu veux optimiser, oui. Même le fond d'écran Star Citizen fait bugger le PC, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Non, mais c'est normal, il est animé. Il coûtait que 300 euros, le fond d'écran. Non, mais c'est le machin que tu télécharges, là, sur Steam, Steam Viewer, là, je sais pas quoi. Oui, Wallpaper Engine. Wallpaper Engine, c'est le... Oui, Wallpaper Engine, ouais, c'est ça. Une des 10 applications les plus lancées de Steam. Ouais. Wallpaper Engine. Bon. Orti, il va falloir se rendre à l'évidence, il faut aller tout droit. Ça commence à bien faire. Mais non, regarde, voilà. Ah non, c'est bon. Bien joué! C'est les couilles, merde. Bien joué, Arty! Arty underscore. Gerbotron, c'est pas un Gerbotron, arrête. Bon, Gerbotron, là, ça va. Attends, Chip, c'est ma plaque. Une pour insulter mon jeu. Oh, bebou! Mon jeu! Mon jeu! La commune déteste à cause de ça. Oh, oui, je sais, bah, je sais bien, mais maintenant. Premier en fait. Le Shadow dans Sonic Adventure 2 Battle, vous trouvez pas? Oui, de fou, ouais. C'est clair. Je me dis perdu pour perdu, Fred. Autant y aller à 100%. J'ai bien compris que tu l'es trollé. Hein. Autant y aller à 100%. Merde. Oh putain. Oh putain. Je le kiffe. Horrible. Ouais, j'aime bien. Oh. Quoi? Non. Quoi? En 5. Vas-y. Oh, aux ordres. Ok. Fuck! Fuck! J'ai cru qu'il allait dire fur et du coup, donc. Bon, Fred. Oh, bordel. Je pense que tu me dois 20 subs à crier. On a crié avant. Hein. Non, c'est la première fois de la soirée que quelqu'un crie. Non, c'est pas vrai, Zerator, il a pas arrêté de crier. C'est pas vrai, Zerator, il parle pas, il a juste une condition vocale étrange. Clip d'un moment où je crie dans ma vie, il y en a pas. D'accord. Je pense que t'as. Oh! Orti! Oh! Et franchement, joli. Hein. Joli. J'ai fait un cut. Choc barre. Ouais, t'as fait un cut. T'as fait un cut. Bon, on dit c'est trop, mais. Mais un cut quand même à la fin. Hein. Te fous pas trop d'elle, t'es derrière elle. Ah, ouais. Non, pardon, my bad. J'ai même une émote qui crie. Quand même dingue. Oui. Nous, on te suit partout. Nous allons peut-être résoudre ce mystère si nous nous y prenons bien. Oh, ah, j'ai été poussé. Comment ça, j'ai pas pris le sort? Florence, tu fais chier. Oui, mais elle a fait quoi de vivre, en fait. Mais... Ah, mais le truc a bugué. Mais moi aussi, ça bug. Ah ouais, ça mais je te jure que... Moi aussi, ça a bugué. Ouais, de ouf. C'est quoi le bouton pour revenir? Oh, ça a méga bugué. Ça a bugué de... Mais putain. Et quand je rentre dans le cerceau, il ne se transforme pas en avion. C'est bien simple. Ah oui, ouais. Mais ça m'a fait pareil. Ça m'a fait pareil. Vous êtes un peu sous-volés, tous les deux. Merde. La vie de ma mère.
La vie de ma mère. La vie de ma mère. Ne jure pas sur ta maman. Oh, c'est pas, ah toi, ouais. Pas toi de me dire ça. Vas-y, Antoine. Ah, bon, là, j'ai fait de la merde. Allez, pute. Vas-y, eh. J'ai entendu un mot. Eh. Non, mais tu. Eh, regarde. Zera, regarde bien. Regarde bien. Regarde. Je vais prendre le cerceau, regarde. Voilà. Je... Et voilà, mais. J'étais premier. Ça me baisse ma game à cause du bug. Oh, mais bouh, c'est que des pixels. Mais ta gueule, toi. Y'a plus rien dans la vue. Mais Antoine, passe dans le cerceau. Il est bête. Vas-y, j'ai envie de. J'ai FF la vie, là. Ah, oh, putain, et voilà. Et ça. Mais. Oh, et voilà, nique sa mère! C'est mystère! Les amis, après tout! Bon, bise à toi, mon chou! Oh, mais putain, pourquoi tu ne te transformes pas? La 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 la! Mais vraiment, il se transforme pas en avion! Mais transforme-toi en avion, connard! La 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 la. Hop là! Bah oui, bah je suis. Ça m'a baisé ma game! Maintenant. Oh, je suis premier, let's go! Oh non! Pourquoi putain, il a des. Ça m'a vraiment baisé, hein! Oh non, c'est fou! Oh. Bah oui, c'est pas mérité! Si, oh, c'est mérité! Ta gueule! Tout est mérité dans la vie! Putain! La phrase de fou! Non, non! Cela dit, selon Samuel Etienne, enfin bref. Oh non! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai! Oh. Oh. C'est réel. Là, tu lui as appris quelque chose ce soir à ce grand naïf. J'étais là, Gandalf. Tout à fait. Pourquoi quoi tu m'appelles Gandalf? Oh putain. C'est pas Gandalf, tu vois, ça. Bah, tu lui ressembles un peu, je trouve, non? C'est bête. J'étais là, Gandalf. C'est vrai que j'ai la même barbe. Qui c'est qui ressemble à Gandalf? Moi. Mais c'était pas un ah dossier. Ouais, ouais, mais t'as jamais vu Orti dans la vraie vie? Bah oui, ça a été littéralement rediffusé, quoi. C'est un clip. C'est vrai que s'il y a une personne qui a le droit d'en parler. Bah non, mais c'est le clip où Zerator apprend que le mérite n'existe pas à Samuel Etienne. Enfin, n'existe pas. Oui. Qu'il est beaucoup plus, on va dire, restreint qu'il ne le croit, en tout cas, on va dire. Ah bon, tu crois? Orti. Quoi? J'ai pas vu. Focus, ce clip est très non, bien. Ah, pardon. J'aime bien ce clip. Mais non, mais je pensais à Samuel Etienne. Oui, mais d'accord, mais. Ça ferait un bon bracelet. Comme les bracelets, qu'est-ce que ferait Jésus? Ilou. Tu le regardes tout le matin, ouais, c'est qu'est-ce que ferait Samuel Etienne? C'est vraiment super ton avatar. Merci. 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 Samuel Etienne de où? J'adore les chinois. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Oui, c'est vrai qu'il ressemble. C'est vraiment super. Oh non, je dirais pas qu'il ressemble. Oh non. Oui, non, un petit air de famille, on va dire. Mais cul de chi. Non. Cul de chi. Cul de chi. Cul de chi. Attention, il y a des cerceaux. Oui, bah là, il y a des cerceaux. Est-ce que je vais pouvoir aller dedans? C'est toi qui te transforme, Antoine. C'est bon, je me transforme. Il se transforme, ouais, attention. Je me transforme en Mintos, Gougou Gagak. Attention les filles, je me transforme en Mintos. Attention. Ok, j'ai très très mal joué la game. Bon. Admettons. Merci d'avoir mis un panneau pour dire qu'il fallait faire demi-tour, ça m'a beaucoup aidé. Panneau. Faites oui. Demi-tour. Faites demi-tour, t'es que comme possible. Ma voix Waze. Je devrais faire une voix Waze. Sache que c'est très facile et très court à faire. Ouais, on voulait faire ça avec Bagheera pour les croûtes et on s'est dit que c'était dangereux. De quoi? Ah ouais, peut-être. Ah oui, genre tu dis le contraire, quoi. Une voix Waze. Ouais. Non à gauche, non à droite. Horrible. Oui, voilà. Horrible la voix, très dangereuse. À gauche, à droite, enfin j'ai plus. Très dangereuse. C'était trop dangereux. Oui, oui, non, c'est très mauvaise idée, effectivement. Alors le prochain, c'est un CD passage. Et non, c'était un stop. Hop là. Je vais faire ça, moi aussi. À droite. Non, à droite. Je suis mieux. Je vais lire la fanfic entre vite et l'autre droit. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Oui, bah t'as non, raison. Je posais plein de questions depuis tout à l'heure. Mais c'est quoi tes questions, Florence? Tu m'as foutu un vent. T'es muté. Mais non, j'étais pas muté. On t'entend pas. Mais Florence, c'est le problème. On t'entend, mais quand on te demande de répéter, tu répètes pas, donc bon. Florence! Oui, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Florence? Je sais plus. Mais voilà! Bah voilà, bah écoute! Merde! Pourquoi voilà. Ça pourrait être dangereux? En fait, vous m'entendez que quand je râle parce qu'on m'entend pas, c'est ça le truc. Oui. Après, on m'entend. On est indécis. Oui, je demandais la voix Waze, c'est si long que ça à faire, c'est ça que je non, disais. Non, c'est très court, pas long, et très simple. Et c'est pas du troll, vraiment, c'est très facile et très okay. Court. À droite. Après, n'importe qui peut DL le truc. Exactement. Vous voulez une voix Mintos? Moi, le jour, j'ai mis Waze pour la première fois et je ne sais pas pourquoi la voix par défaut, c'était la voix genre Bilout. Il y a un truc genre. C'est quoi Bilout? Non, je sais. Un peu surprise la première fois que j'ai lancé le GPS. Elle aurait pu dire accent ch'ti, elle a dit la voix Bilout. B-word. Ah ouais, mais c'était. Ouais, c'était Biloulette. La Bilout voice. La Bilout voice. Biloulette. Donc, c'était un peu en mode. Ah.
Ils ont trop envie de faire une interview canapé là. Avec Bilouette. Attends, c'était quoi c'était qui Bilouette? C'est une youtubeuse Minecraft. C'est des interviews de youtubeurs. Mais oui, c'est ça. En mode relax. Comme Gilles Ouel, exactement. C'était un peu Gilles Ouel, mais... C'est la même époque, hein. Voilà, c'est un peu à ce tir-là. Il ne reste que Bob Lennon de cette époque. Il est vrai. Oh. Il est vrai, il est vrai. On pourra te parler de Fanta aussi, si vous voulez, à chaque instant. Salut. Ouais. Salut. 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 Ah oui, Elarcis, il est sur Twitch un petit peu. Oui, un peu, oui. Exactement. Après, je dis ça, mais de la grande époque, il reste encore. Il y a Hooper qui est toujours là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et Jerry Storm aussi. Qui est le premier Let's Player, je pense, français. Oups. Jerry Storm, c'est tellement niche que bref. Jerry Storm, putain de merde. Personne n'a réagi. Si, t'inquiète, Jerry Storm, je l'ai complètement, mec. On connaît. Évidemment que je l'ai, Jerry Storm. On est quatre à l'avoir, quoi. Oui, bah, ouais. C'est le. Chat compris, les gars. C'est quoi? C'est. Oh non. Oh, mais c'est un merde là. Allez. C'est un. Hooper. C'est quoi? C'est un mec qui a fait une web série qui s'appelait Golden Eyes Chronique. C'était pas bien? Oh, si! Si, c'est super. C'est Marie Spill pour le sub. Les 5 subs offerts, merci beaucoup. Dans le genre des refs obscurs, est-ce que vous connaissez Hardman Canada? Bien sûr! Oui! Non. Évidemment. Mais moi, la grande époque des Emotions, je l'avais vu et je l'ai vécu en mode viewer, c'était impressionnant. Hein. Oh, genre, le Usul qui faisait des tests sur Super Nintendo, tu vois, j'ai vécu en. En direct? En 4K, ça, quoi. En fait. De avant que ça lui vienne une gauchiasse. Edge SNES et Usul, quand ça faisait des duos, moi j'ai kiffé, tu vois. T'as été à la convention Edge, mec? Non, j'y suis pas allé. Bah, j'avais peur de me faire frapper, j'avais peur de. Je suis reviendu en arrière! J'avais bien trop peur de me faire frapper. Ah oui, on voit rien ici en fait. Oups! Non! Je regardais Mars. Pas mal. Salut à tous. Oh non! C'est vrai que le tout premier Let's Player, c'est Marcus en vrai. Ouais. C'est vrai. Là, je suis complètement en mode level 1 là. Je vais rencontrer Marcus bientôt, moi, OMG. Vous savez que j'ai eu un autographe le même jour où j'ai eu un autographe de Fred. Ah oui, t'es allé voir Marcus? Est-ce qu'il y a une photo aussi ou pas? Non, j'ai une photo avec Marcus. Je sais pas où elle est. Moi, Level 1 et Marcus, c'est un peu les premières émissions de jeux vidéo que j'ai regardées dans ma vie. C'est en même temps. Moi, j'ai pas regardé, j'avais pas le câble. Quoi? Votre connexion, réseau indisponible. Il adore Marcus, il est trop cool. Je me suis fait kick! Dommage, Mintos. Bonne soirée. Il est adorable. Au revoir, Mintos. Salut. Bisous. Chez moi, je suis pas kick si jamais. Moi je suis toujours là. Il a une passe. Ah, ceci dit, j'ai l'impression que la game là, ça se lance pas là. Ah oui. Ah. Effectivement. Mintos. Pas moi. Mintos, oui, oui, pardon. Comment on fait? Pourquoi tu dis pardon, Florence? Parce qu'on m'a engueulé. Et du on coup, pas, je on me peut sais pas. Ce pas que et pourquoi on t'a engueulé? Personne t'a engueulé. Florence. Pas du tout. On a dit Mintos. Mais pourquoi on t'engueulerait? Florence, on fait Florence. Elle dit pardon. C'est pas pourquoi elle dit pardon. Ah, je suis déconnecté de Steam. Ah oui, c'est chaud là, hein. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Allô? Oui, oh, oui. Ça va? Mais quoi? Mais je sais pas ce que je dois faire! Jouer à des jeux vidéo, Florence, fais rire les gens! Est-ce que vous êtes dans le lobby? Oui. Oui. Attendez, je Florence, tu peux, s'il te plaît? Florence, t'as allé, s'il te plaît! Non, mais c'est à moi de créer le... Putain, je comprends rien! On te fait tourner un bourrique, Florence! Florence, c'est cringe, là. Mais là, Steam est down, non? C'est pas mais ça? Oui, mais... Putain, mais après Discord, c'est Steam! Putain, Discord, attendez, puis Steam, voulez... puis le Steam cerveau de Florence, Steam down. Ce sera quoi après? Florence, t'as les crampés? Au pire, vous savez, on peut aller sur Star Citizen, c'est hors Steam. POV, oh, ouais. Je fais un appagnant dans Star Citizen, à Toulouse. Appagnant. Oh. Ça marche plus, Steam. No network connection. Oh putain. Est-ce qu'il y a la voix de Antoine Daniel sur Voice? Est-ce que c'est non. Le monde qui fait des DOS ou c'est le monde qui se fait des DOS? Ah, arrêtez de DDoS. On peut jouer à deux. Ou alors, allez. Faut DDoS un autre jour que le lundi, s'il vous plaît. C'est vrai, ils pouvaient pas DDoS un Steam mardi. Down, putain. C'est le No Network November. C'est les Russes. Le NNN. Florence, t'es là? Le NNN. Florence? Non, je suis en train de remercier mes subs. Okay. Ah d'accord. Okay. Oh, la chance, elle a genre, des subs. C'est pas genre. Oh. Moi, j'ai aucun sub. Pareil. Moi, ça va, j'en ai eu. Moi, j'en ai pas depuis un petit bout de temps, j'avoue. Moi, je pleure. Vraiment longtemps, là. Qu'est-ce qu'on fait là alors du coup là Scriblio. Voilà. Scriblio. Mais ça joue là. Scriblio.
Ah non, il y a pas. Oh. Ah si, il y a Antoine Daniel en voice. Attends, voyons. Ah. Ah, dans Waze. Attends, je lance. Mais non, pas Olive, c'est mon travail. Big Flo. Ah, dans Waze. Waze. On sait qu'on va des... comment ça marche, on met de la voix. Ah, mais Nintendo et moi, on va se faire une petite game. Hein. Ouais, ouais. Game de quoi? Bah, on est tous les deux dans le lobby. Mais réinvite-moi pour voir. Mais je te vois pas en ligne. Voix Waze. Et si je tape Antoine? Voix Waze. Je sais pas comment ça marche pour faire la voix. Je voulais rendre parce que je peux pas finir, quoi. Comment télécharge les voix? Je sais pas, moi. Ah, ça marche bien, en fait. Attends. C'est pas ça. Ah, c'est incroyable. J'ai Roger Federer, moi. Non, j'ai foutu... Bah, en fait, c'est mes dents, Florence. J'ai mis la voix d'Antoine, mais du coup, moi, je m'entends en double parce que c'est mal réglé, mais... Oui, c'est mes dents. C'est plus pété, faut relancer Steam. Ça marche trop bien. Ah ouais? Ouais. Faut relancer Steam? Ouais, j'ai relancé Steam et je suis là, moi. Bah non, regarde. Bah écoute, on tente quand même. Mettez-vous en ligne, dans les amis. Je sais même pas où est-ce qu'on change, ça. J'ai oublié qu'il y avait... Dans amis. Non, c'est dans contact, en fait. Okay. Le bébé son Coco Chanel. Screamer. Je peux pas me mettre hors ligne, en fait. C'est pas possible. Son Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Bon, attends, je vais redémarrer Steam. Alors, il faut redémarrer ces instants. Bah, en tout cas, c'est ce que moi je fais. Ram, bom, 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 bom. Sinon, c'est on peut chanter Scooby-Doo jusqu'à la fin de la soirée. On chante tous les génériques de Scooby-Doo. Nous, on te suit. Quand j'étais petite, on se battait avec mon frère parce que moi, je voulais mettre le générique en français et lui en anglais. Et du coup, on se tapait dessus. J'aime bien le générique français. Je trouve le meilleur. Oui, j'aime bien l'anglais. Les deux. Ouais. Mm-hmm. À 300 mètres, tourne. Ah oui, j'avoue. Non, ce sera infernal. Infernal. Tourne. Tourne. Bah, c'est un peu drôle. Bon, faut, du coup, là, vous dites qu'il faut redémarrer Steam, c'est ça? Non, je dis pas qu'il faut. Bernard. Bon, merde. Ah non, mais je peux même pas, je peux pas synchro, en fait, le truc. Là, Steam est down, là. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que si on lance Worms, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas non, mais non, c'est pareil, signe. Ce sera pareil, c'est sûr. Imaginez Waze, mais avec la voix de Bernard. Connexion réseau indisponible, veuillez vérifier votre connexion Internet. Non, Mintos, non, merci. Comment ça? Ah non. Ça marche pas. Tu peux la mettre. Qui marche? Moi, je vais vous faire ma voix pour Waze. Okay. Je le fais demain, là. Vas-y, fais donc. Fais là en live, là, fait, maintenant, là. Maintenant, là. Non. Oui, ta voix, ça attend dans Waze ouais. Après, on peut faire une voix serveur du lundi avec Waze, où à chaque fois, ça change de voix, tu vois. Ouais. C'est bit.ly/Wazerator, le lien. Moi, ça marche, la Steam, hein. Moi, j'arrive à lancer Worms, en tout cas. J'aime bien la photo qu'il y a sur ton... pardon, Twitch. Sur la preview de ton stream, Antoine. Masterclass. C'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Elle est incroyable, la photo. Je vois que j'ai réussi à lancer Worms, hein, je tiens à dire. Hein. J'aime Chris Cribillo, sinon. T'as réussi à lancer Worms, Florence? T'as réussi à lancer Worms, tu dis? Oui, j'ai réussi à lancer Worms, Antoine. Ah, je vois JDG. Tu vois JDG où ça? Bah, sur YouTube. Sur YouTube. T'as pas reçu? Oh, je vois Antoine. Ah, c'est bon, j'arrive à me connecter. Sur Golf Gang? Non, mais je peux lancer Golf Gang, là. Enfin, je vois pas Florence et Orchi. Attends, c'est Worms ou c'est Golf Gang? Concentre-toi. Bah, je suis me relancer l'invite, je pense. Hein. D'accord. Ah, mais Florence, elle a dit parce que je suis pas en ligne, hein. Je sais pas comment tu fais. Elle a essayé, Worms. Une solution, quoi. Elle a deux parlé, je pense, pour ce soir, en vrai. Mais non, moi, je t'écoute. Mais non, mais je ne comprends pas et je ne comprends pas ce qu'on me dit. Genre, en fait, j'ai voulu lancer Worms parce que vous disiez que c'était dingue. J'ai dit non, c'est bon. Et maintenant, j'ai plus d'invite pour rejoindre sur Golden. Mais personne. Il l'a pas fait encore. Est-ce que t'as redémarré Steam, Florence? Oui, c'est bon, mais c'est fait. Je te vois pas en ligne. J'essaie de relancer Golden. Pas Worms, ta gueule, toi. Tu peux m'inviter pour voir? Moi, normalement, je ne fais que ça. Ah, bah. Je pense que tu mens, mec. Ah, tu m'as pas invité, Zerator. Même toi, t'as rien reçu, Antoine. Bon, attendez, je relance. Je vous invite à la chaîne. Sinon, c'est 22h, un petit Worms. Hein. Mais non, mais ça va être mais pareil. Si le contact Steam marche pas, ça change rien. Mais je sais pas, Florence, elle a dit qu'elle a réussi à lancer. Mais non, elle arrive à lancer le jeu, pas. J'aurais pas forcément pu vous inviter. On a dit qu'on criait pas. Pourquoi tu mens, Florence? Arrête. Ah bah, ok, d'accord. Elle est déjà saoulée. D'accord. Pas saoulée, je suis perdue. Florence, ça va? J'ai l'impression d'être bourrée au milieu d'une soirée de gens complètement. Tu fais un AVC, Florence? Hein? Ah, c'est la première personne à dire que j'ai l'air sobre. Là, ça marche, là, je sens. Ah oui, ça marche. Ah oui. J'ai reçu l'invite. Je vois tout le monde sauf Florence. Mais oui, mais moi, je suis toujours hors ligne. Je n'arrive pas à changer le statut. Florence, mets-toi hors ligne et en ligne. Et elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas. Mais si, dans contact. Non, elle ne peut pas. Moi, tout à l'heure, je pouvais pas. Je pouvais pas le faire non plus. Dans vos contacts, mais moi, je vois rien, je te jure. C'est Nike. C'est Baptiste qui fait Nike.
Mais si, c'est là. Jean Yuri pour les 16 mois. Le Prime. Zartarak, les 7 mois. Hugo, le Prime. Madney, les 6 mois. Rima, les 2 mois. Yulan, les 10 mois. Wark06, le Prime. Cacaboudingue, le Smoker. Oui, oui, plus personne ne disait rien. Je sais pas. C'est bizarre l'ambiance, ça. C'est Judge Sino pour les 10 mois. Je remercie mes quelques subs. Qui se souvient de cette vidéo? C'est quand tu chantes Pokémon Johto, à quoi vous l'associez en premier? À David Pokémon Johto? Ou à voilà. Ou à quoi? David. Bah David. Bah David. David. David Lafarge. Bah oui. La fameuse vidéo. Ah oui, où il pleure parce qu'elle lui chante, bien sûr, oui. Mais elle est, ouais, elle est pas, elle est un peu touchante. Cette vidéo, elle est mignonne, c'est mignon. Vois, c'est mignon, oui, c'est mignon. Il s'est fait tracher pour ça, alors que c'est mignon, quoi, tu vois. Mais oui, c'est l'amour. Les gens, ils aiment pas l'amour. La honte de pleurer, quoi. Les gens, c'est alors, des connards. Alors que t'es un homme en plus, genre. Les gens arrêtent d'être des connards aussi. La dernière fois que vous avez pleuré? Jamais, je suis vu que je suis un homme. Moi, c'est à l'instant, car je suis complètement déconstruit. Voilà, je suis en train de pleurer. Là. Moi, il y a des minutes. C'est à la chute de Rome. Vous avez entendu les filles? Je suis ultra déconstruit. C'est bien, c'est super, Antoine. Ça va beaucoup plaisir avec ça, je pense. Un bon gros red flag. Ah bah sinon, y a pas d'intérêt. Je suis en ligne maintenant sur Steam et j'ai touché à rien, je vous jure. Oh. Je t'ai invité. Et ça marche, c'est Nike. Ah. Il faut tout step. Les attraper. Levez son chèque. Être plus déterminé. J'ai rien reçu, mais est-ce que je peux pas vous rejoindre, Antoine, et me taper l'incruste, tu vois. Mintos, ta gueule. Pourquoi te taper? Mais Florence, enfin, arrête de... Qu'est-ce que tu... Mais non, mais je n'ai pas reçu l'invitation. Lance le jeu. Moi, je pleure quand je fais l'amour. Voilà, je vais le dire. Tu dois pas beaucoup pleurer? Et là, maintenant, j'ai reçu 4 invitations en même temps, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, quoi. C'est normal, Steam est dans les chouks. Qu'est-ce qu'il y a, Ça va? Au secours. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait rire quand tu rigoles. Mais mon chat. Oh bah non, pouic. Wow. Oh non, ça fait trop peur. Non, je vais pleurer. C'est arrivé comme ça, sans prévenir, bam. Tout step. On attend juste que Florence arrive à rejoindre et on lance. Tu te fais agresser par ton chat aussi? Oui. Ah. Oui. Oui. Putain, y'a mon gamin, il arrête pas de poursuivre le chat, il lui donne pas une seconde. Allez là. Il fait un plan. Oh non, c'est là. Mais le chat va-t-il lui griffer l'œil un jour? Non, mais tu sens qu'il en a plein le cul. C'est ouais, bah, normal. Partout, il a beau aller partout, l'autre il court après tout le temps. Ouais, bah c'est sûr. Bah Zera, tu lances ou quoi? Elle marche, quoi. Oui. Oh là là. Oh là là. Le bad. Alors qu'Halloween est passé, on pensait y avoir y échappé. Il y a une croix. Ah, direct, on commence sur une tombe. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. C'est sataniste, hein. J'ai pas mon curseur. Oh non. Mais bah il vaut mieux peut-être en fait, commencer si le jeu au début. Si le jeu. Non mais c'est. Ouais. Je pense que c'est une excuse parce qu'elle a trop peur et qu'elle veut pas, quoi. Voilà. Parce que j'ai trop peur. Non mais on recommence du coup. Si la partie commence. Moi je pense pas qu'il faudrait remake, je vous le dis. Pourquoi? Vu la gueule de Steam. Non mais c'est pas grave, je vais attendre. On va pas le régler. Mais attends, on va pas jouer. Mais non, on va pas jouer sans Horty, Adrien. En fait, bonne soirée Horty. Écoutez-moi. Non mais tout à l'heure, elle l'a réglé en pleine game. Écoutez-moi, si la partie se lance pendant que mon curseur est sur mon autre ordi, bah du coup, je peux plus la réutiliser. Du coup, c'est pas grave, faut juste que j'attende 50 secondes là. Je déteste ces maps, je déteste jouer à celle-ci. Moi, je veux bien qu'on essaie de remake, mais on peut potentiellement ne plus jouer du tout. Ouais, j'en ai marre. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre 50 secondes plutôt que de tenter de recréer. Tout ça, c'est parce qu'il veut éliminer un concurrent. C'est parce qu'il est arrivé premier, oui, je tiens à le dire. D'accord, hein. Il est arrivé premier, il fait « Oh non, je pense pas que c'est une belle remake. Oh, » ah. Ok, je quitte la game. Moi, je suis d'accord. Tu vois, c'est bon. D'accord. Tu vois, c'est bon. Allez, on refait. Bah alors, dans ce cas-là, laisse-moi 4 secondes pour que je fasse juste un tout petit truc. Ouais, t'inquiète, non mais juste mets-toi prête que quand t'es prête à lancer. Ouais, mets-toi unready. Oui. Oh mon j'adore. What the fuck? What the fuck? Prête. Tennis qui dort, c'est impossible. Je effectivement, sinon FF14 ça demande pas Steam. Ah j'avoue. Putain j'avoue là. Ah, j'avoue Jacta. Mais attends, mais t'as lancé Horty, t'es prête? Oui. Bah là c'est prête. Ah pardon. Jacta dans 7. FF14 là. Petit Jacta là. Jacta dans 7. Jacta Est. Florence, petit Jacta. Non, ça, venez on teste Fall Guys après là. Pas non. Stream. Non. Je crois qu'il. Je pense qu'il est encore installé. Oh. Fall Guys ça me fait trop peur. Quoi? Bah la map a fait peur. Bah ouais. Oh non, ça a ri. Non! Ça a ri. Ari. Superbe. Pourquoi il rigole alors qu'il y a de la mort partout, quoi?
Ça fait trop mal. Ah, il est sorti le film Manoir Hanté sur Disney Plus. Non, c'est vraiment bien, je vous conseille. D'accord. Vous allez voir Five Nights at Freddy's mercredi. Oui, oui, je vais le voir, mec, t'inquiète. T'aimes pas les films d'horreur sur le cinéma? Pourquoi ils marchent pas? Non, mais je m'intéresse pas, pas du tout. Super. Désolé, mec, je vais pas le voir. Je pensais que c'était une blague. Le gâteau, elle marche plus. Oh bah. Quoi? Trop bizarre. Apparemment, le gâteau qui marche pas, bizarre. Ouais. Du coup, Florence, t'as trouvé des petites fanfics, là? J'ai pas eu trop le temps, mais j'ai vu les tags et ça m'a fait peur. Genre? Anal fingering, par exemple. Ah. Oh, putain de merde. Et ça te fait peur, ça? Pas très téméraire, si ça te fait peur. Allez, c'est parti. Oh, putain, Mintos. C'est bien. Ouais, j'aime bien. Oh, putain. Ah, j'aime bien. Oh, putain, Fred. Je ne termine qu'entre Nicole et François Mitterrand, j'avais pas spécialement envie de creuser plus longtemps. Et attends, c'était Mitterrand et qui? Helmut Kohl. On parle de creuser quoi là? Quoi? C'est pas le pire que j'ai lu, hein. Mitterrand, Anna Freddy. C'est quoi le pire alors? La fameuse collaboration franco-allemande. Le pire, attends. C'est Mitterrand, Anna Freddy fucking, je crois. T'as le pire truc. Non. C'est ça? Non? Il y a forcément des gens qui trouvent. Pardon, excuse-moi, j'ai pas du tout écouté, quoi. Non, rien. Non, mais si, dis-moi. Oh putain, cassez-vous. Oh, les fantômes. Les fantômes, c'est très badant. C'est peut-être le plus badant, je pense. Moi, ça me fait trop peur. Bah, et moi donc? Pourquoi ça m'a pas mis le boost? Je comprends pas. Dis pas les filles. Oui, merci, Antoine. Ça m'a même. Non! Oh! Mais non, mais j'arrive pas à comprendre où ils sont dans l'espace. Ah, c'est là. Et non, là t'es devant. Attention. Merde. Attention. Anal fingering. Arrête. Il y a aussi car sex aussi. Car sex. Car sex. Ah ouais, dans la Renault, dans le pot d'échappement. Dans la Renault, la grosse C1 là. Dedans et pas avec, c'est ok non? Quoi? J'ai entendu ce que t'as dit. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Je veux savoir, je veux rire. Il a entendu car sexe, il a pas pensé à la même chose que vous. Quoi, voilà. Il a entendu dans le pot d'échappement, oui, dans le pot d'échappement, oui. Exactement, il a pensé plutôt. Ce gros dégène que c'est, Mintos, c'est très grave. J'ai pas lu la fanfic, hein, c'est peut-être ça. Hein. Ah, mais. Peut-être j'ai lu, moi. Je comprends pas, ça touche pas. Moi, peut-être j'ai lu, hein. Vous demandez ça touche pas, ça touche, et ça touche pas. Oui, je connais. Oh, trop bien, j'adore cette énigme. Oui, mais tu connais la solution. Oui, bah oui. Mais c'est super quand tu le découvres. Fred, tu connais cette énigme? Touche pas, ça se touche. Quoi? Bah voilà, c'est tout. Il y a aussi des fanfics entre les quatre mousquetaires. Non, non, ça touche aussi. Ah, trop bien. c'est techniquement, le bouquin d'Alexandre Dumas est une fanfic. Hein. C'est vrai. Mintos, ça touche de fou, par contre. C'est pas faux. Il y en a avec Albert, en plus. Albert, non, le tremblement spaghetti dans le fion, là. De D'Artagnan. Alors. J'ai bien aimé le blanc juste après. Aïe aïe aïe. Allô? Oui. Allô, on est juste concentré, bro. Oh, on est très calme. Vous vous emmerdez en fait, dites-le. Mais non, merde. Il y a des blancs qu'on s'emmerde. Je suis focus, la game commence, what the fuck? Ça dépend du contexte après. Non, non. C'est vrai, c'est important le contexte. Oh, c'est ce qu'on appelle blanc aussi. Bien sûr. Juste le blanc, ouais. Juste le blanc. Ah. Gagné. Ah putain de merde. Putain de pute. Oh sa mère. Il finit par zoïzoï. J'ai cru qu'il allait enchaîner sur la grenouille bleue là en moto, comment elle s'appelle? Crazy Frog. Zing 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 zing. J'ai oublié ce que c'est. Crazy Frog. Crazy Frog. Merde, j'étais sur Crazy Frog. Vous avez plus de Crazy Frog ou le Poussin Pio? Moi, je fais plus le Poussin Pio. Ah non, plus Crazy Frog, mille fois. Les deux, c'était de la merde, personnellement. Bah, Crazy Frog, c'est l'ancêtre. Toi, t'es plus Zoubida, je crois, Fred, non? Exactement. Oh, merde. Qu'il est et beau, le scooter et tout, hein. Voilà, l'avait volé, bien sûr. Le scooter moque, je la connais. Bien sûr, évidemment. C'est mon enfant. C'est ta sonnerie de téléphone. C'est ta sonnerie de téléphone. Oh là là. Sa sonnerie de téléphone en polyphonique. en chant polyphonique.
Non mais je changeais de téléphone polyphonique, ça existe. Oui, oui. Bien ça existe vraiment. Quand il y avait plus de 3 notes. Polyphonique, c'est quoi? C'est les trucs où tu devais envoyer des SMS surtaxés pour avoir la vieille version. Quand il y avait plus de 3 notes, je crois, un truc comme tu ça. Tu veux Inda Club de 50 Cent? Quadricolore. Quadricolore. Et on rappelle le question pour le prime. Bats de la bande, laissez-moi. C'était bientôt, il est. Le 45 mois, le chibas fixé 28 mois, clair obscur. Laissez-moi, merci pour le train. Bien sûr. Merci beaucoup. De l'Ombardini. Oh. On va être fort. Putain. Pas un point. Oh non. C'est chambé, les votes forts. Oh, j'aurais pas gagné le point. On dirait moi sur un rond point. Oh. J'hésite. Non. Pas hésiter. Oui, j'hésite, c'est perdu déjà. Désolé. Vous avez vu, vous connaissez le clip de Marie Dauphin, il y a des papous? Oui. Redis. Oui. Il y a des papous, oui. Oui, oui, je connais, oui. Non, je crois pas. Tu connais pas Orti, il faudrait que je te montre ça, c'est incroyable. Ça me dit, attends, ça me dit un truc vaguement, mais... Marie Dauphin, il y a des papous. Et je te laisse... Mais ne fais peut-être pas un partage d'écran. Ouais, je crois. À mon avis, c'est pas... Mais ça me dit un truc, en vrai. C'est pas dans un de tes épisodes? Pour pas être bonne, quoi. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non! Putain, mais c'est toujours moi qui prends mon pierre! Dis donc, c'était une autre époque. Ah, on me dit que si t'en as parlé. Peu cher. Ouais, j'ai peut-être parlé, mais je m'en souviens plus. Ah, j'ai dû les capter, mais. T'as capter. J'ai dû capter à un moment ou un autre. T'as capter, la team. Gagné! Oh non, j'ai fait de la merde. Ouf. Ça arrive, hein. Oui! C'est bon. C'est fait. Bien joué à tous. Marie Dauphin qui est. Attendez, j'ai la pas chanteuse fini de moi. Lady Oscar. Oh non. Oh non. Je crois. Si c'est bon. Oui, si c'est. Si, si. Okay. Pas rassurant cette map, hein, si tu veux mon opinion. Je suis terrifié. Oh que oui. Ceci est la vidéo la plus terrifiante qui m'ait été donnée. Ah, ça aussi, ça me brainstorm à moi ça. Oh, fais le dupe, fais le dupe, j'arrête les mêmes après cette vidéo. C'est probablement l'étage le plus dangereux des backrooms. Mais j'adore ça, j'adore ces vidéos. Mais oui, il est trop gentil ça, en plus. Il a dit ça en se serrant les dents. J'adore ça. J'adore ça. Vous comprenez. J'arrive à m'endormir sur les trucs horribles, là, sur les vidéos avec les... Non les comme toutes mes aménagères de moins de 50 ans, Mintos. Ah ouais. Oui. J'étais sûre que ça te ferait rire, Florence. Le terme ménagère de moins de 50 ans, je crois que ça m'a fait rire. L'étage numéro 34. Je crois qu'on dit plus ça maintenant. Je sais plus ce qu'on dit. On dit quoi? On dit plus la ménagère de moins de 50 ans, on dit un truc qui est non-genré parce que maintenant c'est plus forcément la femme. Ah ouais, et bah même ça, même ça. Ouais. Ah bah putain, c'est même ça. Même ça. Même ça. Même ça. Bah les femmes sont plus forcément celles qui font les courses. Même ça. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Tout se perd. Et gros, ça y est. Antoine qui a dit juste avant qu'il était super Florence. Déconstruit, mais haha. C'était ma carte de guerre. Je suis déconstruit. Moi, je suis déconstruit pour baiser, ça n'a rien à voir. Finalement. Je suis déconstruit juste pour baiser. J'allais juste shame quelqu'un gratuitement. Ça n'est qu'un être humain, il a ses limites. Comment je fais là une fois que je suis j'allais ici, sortir des noms. Ah, ça m'est très mal joué, frère. Ah non, mais c'est pardon, je me suis trompé. C'est Phyllis. Mais putain de merde! Comme moi quand j'ai essayé de passer le permis la deuxième fois. De quoi? Je me suis trompé de sens. Ah ouais, pourquoi? T'es bête alors que c'était trop trompé. Bah je me suis trompé. Gueule, c'est rator, putain. Moi j'ai fait 31 sur 31, mon permis. On s'en bat les couilles, putain! C'est vrai? Mec, non mais oui, il a peut-être fait 31, mais je l'ai vu conduire, hein! C'est pas vrai, oui, on a failli mourir! Je l'ai vu conduire, hein! C'est vrai qu'on a failli mourir, mais c'est pas grave. On l'a vu conduire, Mintos, hein! Ah oui, je conduis mal. Il a pris le choix qui était... Oui, mais non, mais... Ouais, mais... Tu crois que tu conduis bien, connard? Moi, c'est pas franchement, là, il t'a cassé, chacal, hein, plus rien à dire. Franchement, ça va. C'est vrai qu'il a même pas le permis, il l'ouvre. Quoi? Mais je dis, j'ai le permis. Qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Non, mais oui, putain, je suis con. Qu'est-ce que tu me racontes? Permis? Mais oui, c'est vrai, pardon. Mais enfin, mais merde! Depuis pas si longtemps, voilà. Et t'as reconduit, oui. Ah bah oui, je conduis tout le temps. Non, mais on a failli mourir, c'est mais c'est sur une voie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bizarre aussi. Putain, non, bah, c'est une voie de sortie. Oui, bah une voie de sortie, mais d'entrée aussi. C'était un peu de la mais merde. Mais pas du tout, j'ai refait la même si, chose. Si, c'était une voie d'entrée et de sortie en même temps. C'est un peu de la merde. Oh, Mintos. Bah, si, c'est vrai. Hein. Mais
Hortense, réfléchis. Minto, c'est tout simplement ce qu'on appelle un danger public, en fait. Sa grosse mère, là. Réel. Moi ? Ah non, Minto. Minto, toi aussi, hein, mais... Oui, bah, tu conduis, là ? Tu conduis en ce moment, Minto, là ? Allez. Au moment où je vous parle, oui. Mon film est depuis la voiture. Tu joues depuis la Tesla, là ? Oui, 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 bien sûr. Sur l'écran. C'est quoi ma voiture ? Une limousine. C'est dur, votre truc, là. Une limousine, c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique, mais ça prouve que j'ai réussi ma vie, tu vois. Ah ouais ? Ouais, complètement. Bah, regarde, Ouais, regarde. Merci 514 sur les 17 mois. Qui nous laisse faire la communauté, merci. J'ai full trop. 4 fautes à, 4 fautes à mon code. 31 sur 31 mon permis. Mais t'as vraiment eu 31 sur 31 ? Bien sûr, bien sûr. Mec, c'est autant valable que la mention au bac. Elle a pas regardé, la meuf, je comprends pas. Ah bah, elle était extasiée quand elle a vu ma conduite. Non, tu m'as expliqué comment s'est passé ce truc-là. Ah oui, mais j'ai expliqué déjà que c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais comment là, ça se fait dit... Bah, en fait, elle est passée, elle a fait bonjour Mintos. Elle a trouvé que c'était une masterclass, et puis voilà. Elle a dit c'est bon. Ah, mais oui, mais y'a pas un truc comme quoi, genre, plus on est âgé, plus ils donnent vite le permis ? Quoi mais non. Antoine est plus âgé que moi ? Ça existe, ça ? Non, je suis plus jeune pas, que toi, Mintos. Moi, pense pas, hein. Non, t'as menti, pas. Je pense que non, je sais pas, c'est Bagheera qui m'a dit ça. Ah ouais ? Non, bah, Bagheera dit de la merde, hein, voilà. Moi, elle sait, Bagheera. Bah, arrête. Bah, là, tu. En mode genre. Bon, les auto-écoles, peut-être ? Oui, cher. Je pense que c'est une bonne vieille idée reçue. Peut-être en Suisse, hein. C'est aussi valable que qu'est-ce que le culot machin là. Qu'est-ce que l'audace ? Ok. Qu'est-ce que l'audace ? Ouais, moi j'avais fait un refus de priorité à mon permis et je l'ai quand même eu. Mm-hmm. Bravo mec. Tu l'as passé à Percy ? C'est pas omelette. Moi c'est marrant. Oui, je l'ai passé à Perpignan. Mon passage de permis, le premier, enfin le. Celui où j'ai eu. Permis à Perpignan. Moi apparemment, j'ai eu des échecs au permis. L'inspectrice, elle faisait passer le permis aux gens en prison. Voilà. Vous savez qu'en Suisse, si on rate son permis 5 fois, on doit faire des séances psy. Ah ouais ? Ouais, et le problème, c'est que si tu fais des séances psy, après, c'est écrit genre dans ton dossier et tout. Et il y a plein de... d'auto-école qui te veulent pas ? Non, pas d'auto-école. Putain, d'assurance qui veulent pas trop. Ah ouais, ouais. C'est horrible. Oh, la pression que c'est. Même pas d'assurance auto. Ah bon ? Ouais, c'est horrible. Ouais, ouais, regardez ce gogol, il a fait 5 trucs. 3 fois, après, on dit 3 fois. Il a dû faire des examens tellement il est bête. Non, mais attends, mais c'est. Mais en quoi. Plus, c'est souvent que tu rates parce que t'es stressé et c'est ça qui fait rater. Oui, c'est un pays de fou là. C'est un peu bizarre. Mais franchement, ils sont zinzin la Suisse. Là. Moi, j'ai un ami qui l'a raté 7 fois, il a dû repasser son code. Même les malades, attends, les ça veut dire du coup, violettes. Les inspecteurs. Normalement, c'est 5 fois que tu repasses ton code. Oui, mais il l'a raté 7 fois. Ouais, putain. Mais ça veut dire que les inspecteurs d'auto-école, ils ont un pouvoir de dingue. Hein. Ah oui, bien sûr. Je voulais être moniteur d'auto-école quand je l'ai pris. Ça m'étonne pas. Comment ça m'étonne pas que t'as voulu faire ça, mec ? Pas du tout. Ah ouais, pourquoi ? De ouf. Bah, parce que c'est un peu. C'est les militaires qui. Comment te le dire sans t'insulter, mec ? Non mais juste ça parce que je voulais un métier où je reste assis et je pouvais rentrer chez moi pour faire les raids sur WoW. Ah bah voilà mec, regarde. Tu l'avais dit chez DFG. Tu l'avais dit chez DFG. Oui. Je me disais j'ai déjà entendu ça mais tu l'avais dit chez DFG. Bah résultat maintenant t'es payé pour faire du WoW là mec. Mode blanc. C'est bizarre. Tu veux pas faire des raids maintenant sur WoW, tu es payé pour jouer à WoW. C'est oui c'est vrai ça. C'est longtemps. Mon militaire était chrétien, il gardait sa Bible avec moi en. Hein. Ouais. Bah au cas où, bah ça l'a protégé, vous avez eu un accident ? Non, bah voilà, merci la Bible. Bah voilà. Voilà. Oui, thank you Jesus. Ça, bon. Thank you Jesus. Jesus. Hashtag bless. Oh non. Hashtag fire. Ok. Ouh. Ah. Raté. Putain, quel jeu de merde. Non. Ah si, mais... je l'adore. Non, je le pense pas. Oh non. Oh non. Ah, ça me fait repartir d'ici. Cacacacacou. Ça me fait repartir d'ici. Oh non. Oh sa mère. 9, c'est vraiment nul. Ouais, le permis... C'est beaucoup le passage du permis, c'est vraiment l'examen le plus dur récent, je trouve. C'est un peu chiant, ouais. Ah, c'était là. Non, Mintos, ton lit. C'était là. Moi, je pensais qu'à ça. De tous les examens que j'ai passés, c'est celui qui m'a le plus stressé. Moi, je pensais qu'à ça tout le temps. J'avoue que moi, ça m'a bien stressé aussi. Après, est-ce que t'as fait beaucoup d'examens qui impliquaient que tu sois physiquement impliqué ? Parce que c'est aussi ça, tu vois. En fait, quand t'as des examens où ton corps est impliqué, c'est dur parce que tu dois être focus encore plus qu'avec la tête. Ça dépend si les oraux, oui, les trucs genre oraux, est-ce que ça compte ? Non, tu vois, ça compte pas pour moi. Parce que... ah, pour moi, les oraux, c'est stressant, je trouve, les oraux. C'est stressant, tu vois, les oraux, ou... surtout qu'il faut être debout, ça dépend les orales dans certaines matières. Mais... ouais, faut que tu sois debout, que t'animes, tu présentes des trucs avec des tableaux, des machins, tu vois. Ouais, mais c'est pas pareil, je trouve, quand même. Je sais pas, les oraux, ça me faisait moins stressé que les écrits, pour moi, le permis, t'as un truc en plus parce que t'as l'agilité en plus de tout ce que t'as dans un oral, tu vois.
moi, l'agilité. Pas, ouais. Pas l'agilité, mais je veux dire, tu fais des trucs avec tes mains. Oui, t'as la connexion cerveau-jambe. C'est ça que je voulais dire, voilà. Oh merde. Non, mais je suis sûr. Non ! Et dans les examens d'aptitude et ce genre de trucs, ça doit être un peu pareil, j'imagine. Ah. Je sais pas, je pense que ça me faisait un peu les mêmes sensations qu'une compétition sportive, donc t'as un peu raison, Zéra, en vrai. Moi, le test qui m'a le plus stressé, c'était le test de mes urines. Quoi ? Hein ? Ah ouais ? Ouais. Et alors ? Le résultat était comment ? Pas mal. Ouais, je cherchais une blague avec le sucre et je me suis dit que ça... Urine pas mal. Attention, hein, les urines sucrées, c'est le diabète. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai annulé ma blague. Terrible, terrible. Les gens disent, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'examens où si tu fais n'importe quoi, tu peux mourir. C'est le test de grossesse. Non, tu peux pas mourir. Et tu peux mettre les gens... Tu peux pas mourir, mais tu peux mettre des gens en danger. Et ça, j'avoue, c'est stressant. Tu peux pas mourir, mais tu peux tuer des gens, ce qui est cool, quand même. Ouais, c'est ok, quoi. Ah non, si, oui, c'est vrai, c'est recevable. Devenir médecin, quoi. Argument reçu. Non mais c'était même pas non, ça, c'est juste que voilà, j'en avais marre de prendre des leçons de conduite quoi. Oui. Ça quoi. Ah bah ça. Ouais. Ça, c'est, ça, imagine c'est si t'avais la pression du GP au-dessus quoi. C'est vrai. Du coup vous avez jamais eu d'accident encore ? Si. Non, moi j'ai jamais eu d'accident. Mmh. C'est vrai, t'as fait un accident, on sera dans ma vidéo sur le GP. On va rentrer dedans si, il y a 3-4 jours là. Ah ouais ? C'est vrai ? Ouais. Ouais ouais. Ah non merde. Comment ça, c'est vrai que tu nous l'as dit ? Bah au stop, le mec a pas freiné. Mais wesh. Mais wesh. Enfin, il a freiné trop tard, quoi. Il est arrivé à 5 km/h. Mais... Oui, c'est parce qu'il s'est dit, il va pas marquer l'arrêt vu que personne marque l'arrêt. Si, j'étais au feu. Ah, ok. Il a dit à 5 minutes. Oui, mais c'est pas moi qui conduisais, c'est Mintos qui conduisait. Oui. La photo pro. Moi, en tant que conducteur, j'ai pas. Quel jeu ? Ça vient pas d'un jeu. Mais si Chayou m'a dit que je conduisais très bien. Ça vient d'un chien. Oui, moi, Chayou. Ouais. C'est par politesse, je pense. Non, en vrai, si on t'est rentré dans le cul, c'est pas ta faute. Pardon ? C'est un fan art. Ou non, la voiture, frère, s'il te plaît. Hey, let's go. Zoui, zoui. Zoui, zoui, zoui. Moi, j'ai pas eu un accident, mais j'ai rayé mon auto le jour 2. Oh, ça arrive. Oh, c'est normal. Et est-ce que c'est un accident si on a fait exprès ? Bah non. Ah, ok. Bon, bah j'ai pas eu d'accident, alors. D'accord. Moi, il y a un gars qui m'a foncé dedans. Ultra. Enfin, dessus, et il m'a pas touché, heureusement, parce que j'ai des réflexes de DS. La voiture. Il m'a foncé dessus à la sortie d'un rond-point. Et ça m'a fait trop peur. Et ouais. Et t'as fait une queue de poisson. Je n'ai plus reconduit. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début avec les parkings souterrains. Ah ouais ? J'étais avec mes modos en plus. Selon les parkings, 3. Des fois, c'est très. Oui, bien sûr. Les trois. Celui de Foch, là, je crois. Celui qui est à côté de... Les ouais, tapas Foch, le parking, c'est centre-ville, amusant. De toute façon, c'est... Ouais, c'est y en a, le parking Foch, il y en a, il est bien. Pardon, j'en ai déjà parlé, on parle même avec le parking. Moi, c'est le parking. Oui, c'est celui-là qui est horrible. Il m'a traumatisé, plus jamais j'y remets un pied. Quel parking ? Parking préfecture, Montpellier. Ah oui, Montpellier préfecture. De quoi on parle ? Celui qui est avant est beaucoup mieux, par contre. Ouais, bah c'est Foch. En bataille, là, celui qui est en bataille. Ouais, ouais, Arc de Triomphe, il est très bien. Ce qui me faisait chier, moi, beaucoup au début, c'était les créneaux. Quand tu dois te garer dans une rue où il y a beaucoup de circulation et que les gens, ils attendent derrière toi. Oh, moi, je fais 3 tours de pâté de maison et je vais me garer à 10 km, mais je fais pas de créneaux devant tout le monde. C'est Zerator qui a gagné, les gens, bravo. 40 minutes de plus dans la voiture plutôt que faire ça. Je suis sur le podium encore, let's go. Et papa, moi. La chance. T'es deuxième, Florence ? Non, t'es troisième. Mais elle est trop bien, ta boule, Florence. T'es super bien. Moi aussi, je me boule comme ça. Elle est trop bien, ta boule. Trop belle boule, Florence. Qu'est-ce que j'aime pas aussi ? Bon, c'est nice tout, boule. C'est juste les parkings. Maintenant, ça va en plus. Ça, il y a le rond-point de l'Arc de Triomphe aussi que j'aime pas trop. Générale, moi, ce qui me fait peur dans la conduite. La place de l'étoile. Ouais, la place de l'étoile, j'ai déjà pris. Tu as déjà banger l'étoile. Ouais. Oh là là. J'ai un peu conduit à cet endroit-là, c'est quelque chose. Je l'ai fait 3 fois, je crois. Je l'ai fait 3 fois et genre, il y a aucune règle. Et je me souviens, j'avais peur. Mais pour moi, il y a pas d'intérêt quand t'es à Paris de conduire dans Paris. J'ai parlé avec des chauffeurs de Uber ou de taxi en leur posant quand j'y passais avec eux. Et ils me disaient, bah, en fait, juste la règle, c'est de foncer dedans. C'est le plus lourd qui gagne. C'est vrai. Ouais, c'est celui, ça, hein. qui celui qui a le moins peur de prendre un accident. En fait. Ah, par contre, conduire de nuit à Paris, c'est incroyable. Oui, ça a l'air très bien. Je l'ai un peu fait quand il y a vraiment personne là. Putain, c'est incroyable. Oh, la musique est folle là. C'est l'Arcadia, je reconnais. Oui, vas-y, Florence, va faire pipi. Oui, super, merci. Oui, vas-y, Florence. Florence. Ouh! Putain, la musique là. Un rond-point avec priorité à droite. Bah oui, oui. Ça. Il y a des bons ronds-points donc. Hein?
Après, ça reste moins horrible que Faire un AVC quand tu restes bloqué 1000 ans. Il y a des bons repas d'enfoiré à Montpellier. Hein. Mais non. Et il y a des bons aussi, comment ça s'appelle là ? Dis lequel. Les tous. Non. Mais c'est surtout les dodanes. Bah, c'est normal, faut pas les prendre. Si je le trouve le putain de mer. Je vais donner une astuce pour le dodan Mintos. Fais une pause, moi. Faut y aller moins vite, ouais. Le dodan à Polygone. Le dodan devant Polygone, là, avant Polygone. Ouais. Vous voyez lequel je parle ? Ouais, c'est pas ouais, un dodan, ça. C'est pas un dodan, ça. C'est une petite polygone. C'est un crassé de Saint-Etienne. Mintos, est-ce que tu confonds pas les dodanes et les gros trucs rouges, là, les. Comment ils s'appellent, là ? C'est pas des dodanes. Les panneaux stop ? Non. Non, ah, les trucs qui sortent à peine du sol là, qui sont en carré. Les trottoirs. Il y a des trucs qui, sont très petits, c'est des cassis. Voilà. Des cassis. De toute façon, il y a cassis, nid de poule et dodan. Non, pas nid de poule. Combien de personnes. Nid de poule, c'est un trou. En plus, toi, Antoine, tu as passé les coussins berlinois. Le cassis, ça te parle. J'ai passé le code il y a pas longtemps, tout à fait. Bah le cassis. J'ai fait 3 fautes au code. Fischer. Est-ce que t'es allé à point code ? Les gendarmes couchés ? Je suis allé à point code tout à fait à Montpellier. C'est bien. Ah, le mec, j'étais tout seul dans la pièce. Tout seul. Ah ouais, pareil. Tout seul devant un PC là. Putain, le beggar. On peut tricher. Non, il m'avait mis mon téléphone. Ouais, il avait mis mon téléphone portable dans un coffre-fort, mais j'avais mon deuxième, ça va. Ah putain, la chance. Je suis là. Re-Florence. Moi, de mon temps, le code c'était 50 dans une salle, le projecteur de merde. Bah ouais. Pareil, ouais, moi c'était ça. Pas ça. Et oui, maintenant c'est individuel devant un PC. On attend juste que Horty revienne. Ouais, avec une petite manette là. Il n'y avait pas de code parce que les sur le rétroprojecteur là. Je suis là. T'es là, Horty. Oui. Il y avait des pads. C'est bien. C'est bien que tu sois là. Les deux ouais, musiques qui suivent. Pause de 5 minutes. J'arrive. 5 minutes. Oh 5 minutes. Mais what? C'est trop tard, je crois. 5 minutes, mais c'est énorme, 5 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est comme ça? Et du coup, c'était quoi votre première bagnole? Un Peugeot Partner. Bah, c'est celle que j'ai là, mais j'ai pas envie de dire la voiture que j'ai. Pareil. Oui, Peugeot Partner. Celle que j'ai là. Je sais même plus ce que c'est. C'est-à-dire, à part que c'est une limousine. Je m'étais dit, vu que je vais souvent en LAN, je veux une voiture avec un gros coffre, donc j'ai pris un utilitaire. Une vieille Peugeot, je crois. J'ai eu raison. Voilà. C'est super. J'ai une Bugatti, ouais. Une Bugatti Royale, tout à fait. C'est ma bagnole. Celle que j'ai gardé le plus longtemps, c'était une Volkswagen. Ah bah c'est bon, c'est pas 5 minutes alors. Non, c'est bon, je suis là. Pour le Volkswagen, c'était cool.